Bonjour YouTube et bonjour à Twitch. Comment ça va? Comment ça va vous? La forme? J'espère que vous allez bien en tout cas. On est quel jour? On est lundi, lundi 25 janvier 2021. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes bien réveillés, bien en forme pour cette nouvelle journée. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, live un peu spécial, puisque je ne vais pas jouer à Minecraft tout de suite, du moins. Je vais faire un petit peu de The Witcher, ou plutôt je vais pas vraiment jouer, je vais plus visiter le jeu The Witcher. Voilà, voilà. On va faire ça, et puis ensuite on partira sur Minecraft en ayant la tête plein d'inspiration. Ça va, Erdalis? Oui, ça va super, ça va super. Ça va super. Salut Ariglis, salut Galoline aussi, je t'ai pas dit bonjour. Et salut ceux qui sont sur le chat mais qui sont pas, qui discutent pas. Bonjour à tous. Donc du coup on va lancer The Witcher. Ouais, c'est incroyable, live The Witcher. J'aurais jamais pensé, tu vois. trop bien. Et du coup on va pas, comme je disais, on va pas jouer, on va surtout, on va baisser le son surtout. On va surtout visiter en fait. Visiter ce bon jeu. Ah par contre, hop, c'est chiant un peu parce que. On va se mettre sur Minecraft. Mais on va lancer ça comme ça. Ok. Donc hier, je me suis un peu connecté dessus. Et j'ai un petit peu visité. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Mais j'ai fait des trucs hier. C'était super bien. Et coucou Galoline. Déduis que ton week-end s'est bien passé. Oh, Erdalis. Pas vraiment. J'en parlerai plus tard, si tu veux. J'en parlerai hors enregistrement vidéo YouTube. Coucou Astuti, comment tu vas bien? C'est juste venu te dire bonjour, bonne journée. Salut Réglis, des bisous, plein d'amour. Hey Erdalis, ouais, c'est pas tous les jours facile, hein. Pas toujours facile. Mais là, ça va mieux. Le moral est revenu. Hop, petit jus de pomme. Alors, ne faites pas attention, j'ai pas de SSD, du coup le jeu met 3 plombs à charger. Mais du coup, ça fait l'occasion de discuter. Yes. Donc là, j'espère ne pas avoir de perte d'encodage. Parce que j'ai Minecraft de lancer, j'ai The Witcher de lancer, et je suis en train d'enregistrer une vidéo YouTube. Donc ça risque d'être un peu tendax pour le proco. J'espère pas, en fait. Intérêt, mais oui, Galoline, ça va, non, mais ça va, hein, ça va, hein. Aujourd'hui ça va. Je repense à des trucs, mais ça va. Non, mais Asuti, c'est juste de la visite, c'est un live contemplatif, tu vois. C'est juste parce que j'en parlais la semaine dernière, en fait. Je me suis dit, putain, faut que je regarde ce jeu, faut que j'analyse un peu, tu vois. Et c'est chose faite, en fait, voilà. Donc pour vous expliquer, hier, je me faisais un peu. Yeah. Je m'ennuie un petit peu et puis je me suis dit on va faire une vidéo pour la chaîne YouTube et inspirée de The Witcher. Du coup à la base je voulais faire un tutoriel, mais finalement le tutoriel s'est vite transformé en timelapse finalement, parce que j'avais fait une première maison, mais vu que c'est des maisons qui s'imbriquent les unes aux autres. C'est les maisons qui s'imbriquent les unes aux autres, et du coup, faire juste une vidéo sur une seule construction, alors que c'était juste la façade de fête. Je vais peut-être mettre pause à la musique. Hop. On va arrêter la musique et on va mettre la musique du jeu. Alors, j'ai plus d'interface, c'est volontaire. Hein. J'ai plus d'interface exprès pour justement faire la vidéo. Hop. On va aller dans les options, on va remettre l'audio. Du coup, ça sera pas les vidéos, ça sera pas la musique. Hop. Ça sera pas la musique. De Spotify. Oui, du coup, hier. Ouais, grosse ambiance. Je me suis connecté du coup sur The Witcher. J'ai fait ma petite visite. Et du coup, je me suis rempli la tête plein d'inspiration. Et de ça, je me suis dit, bon, bah, je vais construire. Vidéo tutoriel. Finalement, c'était pas un tutoriel, c'était une cinématique, un timelapse, tout ça. Et le truc, c'est un timelapse qui sera en. C'est un timelapse qui sera en plusieurs parties, en fait. Du coup, c'est top. Je me suis régalé hier à construire. Et là, du coup, je vais en reprendre plein la tête et plein d'inspiration. Et notamment, ça va me servir pour Evolucraft. Voilà, Evolucraft, projet que j'ai avec Alps. Tête Kadar. Alors, j'ai pas les jeux full qualité. Hein. Je suis en minimum niveau qualité parce que j'ai un PC de merde.
je dis ça comme ça. Mais du coup, voilà, vous allez pas voir le jeu de la plus haute qualité niveau ombre. Je suis pas, c'est pas foufou, mais il est déjà très beau, hein, même en qualité minimale. Hein, du coup, voilà, voilà. Rien que là, je bave, je. Je suis complètement dingue de cette architecture, mon dieu. Donc là, du coup, on est sur la ville de Beauclair, pour ceux qui se demandent. On va retourner peut-être à l'entrée de la ville, qui est disponible. On va retourner à la grande place, ici. On va reprendre le portail, on va aller peut-être au port de Beauclair, peut-être, et remonter tranquillement la route. Ou port de Bettina, oh, je sais pas. Alors, la ville est constituée ainsi. Finalement, elle n'est pas si grande que ça, hein. Mais t'as beaucoup de petites ruelles, en fait. Il y a beaucoup de petites ruelles. Attends, si je cache un peu là. Je peux cacher tout ça. Quête. Exploration. Effet temporaire. Bon, on va laisser ça comme ça. La ville n'est pas si grande que ça. Hein. On a... bah, quand on zoome, ouais, on voit la taille des bâtiments. Et en fait, chose que j'ai l'habitude de faire sur Minecraft, et qu'il ne faut pas que je fasse trop, c'est que là, toutes les maisons sont... bon, il y a des quartiers, bien sûr, mais ça fait pas des gros quartiers en fait. Il y a aussi des petits espaces avec des jardins, des trucs comme ça en fait. Chose que j'ai l'habitude de faire, moi je sers tout, hein. Je sers tout, un peu trop d'ailleurs. Donc il faudrait que je prenne un peu de recul sur tout ça et puis je resserre un petit peu moins la construction. Après tout est bien délimité, hein. Quand même bien délimité. Après c'est assez complexe, c'est une ville assez complexe. Donc du coup la ville de Beauclair, hein, pour ceux qui se demandent. On va peut-être repasser par ouais, du coup, le port de Beauclair par ici et remonter tranquillement, voir un petit peu tout ça. Mais cette ville-là est incroyable, très très belle. En tout cas, voilà, voilà. Est-ce qu'à l'occasion, on pourrait discuter de ta façon dont tu fais tes timelapses, s'il te plaît? J'aimerais bien m'y mettre. Oui, bien sûr, pour en faire sur Plainzo. Ah, Plainzo. Plainzo, alors moi, sur Minecraft, c'est un mode. C'est un mode Plainzo, je sais pas du tout. T'as peut-être un mode qui te permet de le faire. Peut-être un mode qui permet de le faire. Mais là, j'en sais absolument pas. Hein. Absolument pas du tout. Oh, c'est tellement beau. Bon, on va remonter la rue. On va reprendre le portail. Bah, le portail, le... Oh. Juste épaté par les bâtiments, en fait. C'est juste incroyable. Bon, il est où le point de... Ah, il est là. Hop. Donc on a dit on allait aller au port de Beauclair. Et puis on va remonter du coup, ce sera plus simple. Voilà. Donc encore un chargement, assez long. Mais du coup, ouais, Plainzo, je sais pas du tout comment tu peux faire le timelapse. T'as peut-être des mods. Je sais pas si tu peux le modder, mais je pense que t'as des mods dessus. Peut-être. De timelapse, mais tu peux regarder sur internet, je pense, ça peut trouver des trucs. Alors, donc là, du coup, on se trouve à Beauclair, mais dans un quartier qui est bien plus pauvre. Bah, on remarque, pas bien plus pauvre, il est plus pauvre de par déjà la route est plus en terre, et on a aussi des bâtiments en briques, mais c'est de l'enduit en fait qu'ils mettent sur les maisons. Bon, là, c'est de l'enduit qui est un peu délabré quand même. Tu vois les maisons, la base, juste là sur le côté. Hop, ouais, bah même là en fait, t'as de la brique. En fait, c'est une brique, avec un enduit qu'ils mettent dessus. Sauf que là, il est pas mal délabré quand même. Donc c'est pour ça que les bâtiments font plus pauvres aussi. Et puis c'est des bâtiments plus petits aussi. Plus style méditerranéen, je trouve. Je dis ça de par la forme des toits. La forme des toits. On va prendre un peu de recul. Ouais, les toits qui sont assez plats en fait. Donc on est dans un climat qui est assez chaud quand même, mine de rien. Mais sympathique. Sympathique, ouais, même là on a des... Dessus ça fait un peu en ruine en plus. Donc du coup, petit port. Oh, oh là là. Là on a un bâtiment plus riche là-bas par contre. On va aller voir un petit peu par là. Je sais pas comment marcher, je sais même pas si on peut marcher sur le jeu. Oh. Ça j'adore ça. Le grenier comme ça. Je sais pas si c'est un grenier, mais... Un endroit où ils peuvent récupérer des marchandises. Ah, mais attends, t'as une porte, là. Je sais pas trop ce que c'est, ce bâtiment. Je pense que ça doit être un endroit où ils stockent des marchandises. Un entrepôt.
C'est super classe. Même la façon dont le port est agencé en fait. Là, l'espèce de grue qui permet de récupérer les marchandises des bateaux. Ça, c'est chouette. Super chouette. Alors, je vais essayer de prendre un angle si jamais je veux voir par la suite. Hop. Oh là. Regarde-moi cette vue. Regarde-moi cette vue. Ouais, c'est dans l'extension Blood and Wine. Bon, je spoil du coup ceux qui n'ont pas joué à Blood and Wine. Mais bon, vu que c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment déjà. Qu'est-ce que c'est beau. Alors du coup le port. Donc là t'as un petit bateau, un petit voilier ici. J'aime parce qu'en fait t'as accès depuis la mer en fait. La mer ou l'océan, je sais pas trop ce que c'est. Hop. T'as des petits pontons là. Tu peux reprendre en fait le. Bah, l'eau rentre dans la ville en fait. Depuis le port. Donc ça je trouve ça sympa. C'est où? Ah mais c'est là en fait. Bah, en fait ça rentre pas tant que ça en fait. Ça fait juste une petite. Un petit bassin ici. Ouais, je pensais que ça allait carrément dans la ville en fait, mais non, pas du tout. Ok, bon, c'était juste un détail à voir. Hop. Mais là, du coup, l'architecture est vachement plus basse. Hein. Et tu vois même là, en fait, les toits. Là, tu vois les toits même en haut, là. Jusque là-bas, là, en face, où il y a ma tête. Et on voit pas mon curseur, c'est dommage. Mais où il y a ma tête, juste derrière ma tête, là-bas. Ça reste des toits bas. Et en fait, c'est après les murailles que ça commence à faire des... commence à y avoir des bâtiments très très riches. Ok, et le château derrière. Donc du coup là t'as un seul quai. Alors le quai est assez sympathique aussi, parce que t'as de la roche. Il est fait en roche avec des petits renforts sur les côtés. Très très sympathique. Et des quais un peu plus pauvres en bas, en bois. Et j'aime bien aussi ce passage là en fait. Tac. Ah, c'est sympa ça. Ah, parce qu'ils mettent du bois sur... C'est un pavé, en fait le sol est en pavé. Mais bon, il est assez délabré, bah assez usé. Du coup, il y a un peu de terre dessus. Et là, t'as complètement de la terre. Hein. Là, c'est clairement... Il y a eu énormément de passages. Ok. Bah, elle est très belle, mon armure. Tu veux que je me l'enlève? On va s'enlever l'armure. Attends. C'est l'armure armure de Toussaint. J'ai le stuff de Toussaint. Mais très beau, mon stuff. Je sais pas si c'est niveau 50, le maximal. Niveau 50, je crois que c'est le max. Ou pas, je sais pas, en fait. J'ai pas regardé. Carte du monde. Oui, pour information, j'ai joué quand même pas mal. Je vais pas me déséquiper parce que... Oh. Oh, mademoiselle. Eh, hey, mademoiselle. Eh, hey, mademoiselle. T'es bonne. Hey. Oh, ouh. On se rince l'œil. Hop. Oui, j'ai fini le jeu. J'ai pas fait toutes les quêtes. J'ai pas fait toutes les quêtes. Il me reste des quêtes secondaires. Quêtes. Bon, il me reste des quêtes. Ah, il ne les affiche pas en fait. Exploration, ouais, voilà, il me reste quand même pas mal de quêtes. Hein. Je fais pas toutes les quêtes secondaires, mais j'ai fait l'histoire principale. Je suis à 90 heures de jeu à peu près. Encore, je sais pas si. Ouais. Je pense que je l'ai fini en 85 heures à peu près. Plus de 80 heures. Salut Biscuimou, comment ça va bien? Bah la couleur, hein, c'est tout. Ouais. Peggy 18. Ça va super. Je suis en train de faire un live contemplatif où je montre un petit peu l'architecture de Toussaint, donc de Beauclerc. C'est la ville, c'est Beauclerc. Elle me fait de l'œil. Hein. On voit une réutilisation de l'asset là, de la maison. Tu la vois ici et tu la revois là-bas. C'est la même. Bon, après, c'est un détail. Hein. Franchement. C'est cool. Bon, du coup, on va bouger un petit peu. Ah, j'adore ça. T'as la route qui passe ici et t'as un petit toit avec une petite... Ah, je sais pas. Ouais, c'est un petit endroit où ils stockent des marchandises aussi. Hop. Pardon, monsieur. J'aime bien la façon dont les pontons s'agencent en fait. T'as le ponton qui descend et là il remonte. Alors pourquoi il remonte, je sais absolument pas. Mais c'est sympathique en tout cas. C'est jamais régulier en fait. Et la forme du port en fait est assez sympathique aussi. Alors je veux savoir si les bateaux peuvent reculer.
Bah oui, les bateaux peuvent reculer en fait. C'est pas fait spécialement d'avoir un truc très très large en fait, au niveau du ponton. Ok. Bon, du coup, ça me débloque quelques idées. Et non, je vais dans l'eau. Va pas dans l'eau. Ok. J'aime bien, t'as des cloches là sur le bâtiment en face. Sympathique. Je sais pas comment ça s'appelle ça, l'endroit où ils peuvent remorquer les bateaux. Ah, oh, c'est sympa, hein. Ils peuvent mettre les bateaux à la mer. Barque. Voilà ça, en fait. Ah, nickel. En gros, ils réparent les bateaux. C'est sympa. C'est très très sympa. Ce sont les flemmards, en fait. Ouais, ouais, clairement. Mais après, le commun des mortels est pas censé le voir. Je me jette des fleurs, en plus. Non, t'es pas censé le voir, ça, en fait. C'est pas censé être visible. Mais bon, après, c'est mon œil perfectionniste. Ok. Donc j'adore. Alors là, il y a des cordes, je sais pas à quoi ça sert. C'est juste décoratif là, les petites cordes. Oh putain, ce bâtiment. Très très cool. Avec la petite tour. Alors là, on remarque quand même des petits dessins sur la tour. Ça fait assez royal. C'est assez riche, mine de rien. Alors la forme du bâtiment est assez cocasse quand même, hein. On a plein d'extensions de partout en fait. Je pense que le bâtiment principal, c'est le bâtiment bleu. L'extension après, en haut, ça fait un peu une brique un peu teintée blanche. Et la suite en bleu. Et du coup, on a des extensions juste derrière. Alors, j'aimerais juste aller voir, un peu le visiter. Là, on a aussi un accès... Ah ouais, encore un endroit de stockage, en fait. Donc là, logiquement, t'as les charrettes qui passent ici. Ils déchargent les marchandises. Bah tiens, on en voit d'ailleurs. Ah, ça freeze, hein, je suis désolé. J'ai le jeu qui est un peu en PLS. Ouais, je pense qu'ils stockent les marchandises là. D'ailleurs, on en voit en dessous. Ils peuvent les remonter par cette grue, en fait. Sympathique. Très, très sympathique. Est-ce qu'on peut monter là-dessus? C'est pas accessible, ça, du tout. Hein. Ah, encore un décor hollywoodien. Hein. On peut rentrer là-dedans non plus. On peut pas sauter non plus. Ah, je voulais vraiment rentrer. Ah, je suis désolé, j'ai le jeu qui freeze. Hein. Encore une grue là, ouais. Ok. Donc en fait, t'as le bâtiment bleu là, et en fait, t'as une extension dessus qui vient carrément se coller dessus. Tellement où sera tellement beau. Hein. T'es tellement beau. Oh. Ah, je crois que le jeu a beaucoup de mal, hein, avec l'enregistrement en plus. Déjà, j'étais pas sûr de vous le streamer parce que j'ai pas comme je disais, j'ai pas une bête de PC. J'adore ce truc au-dessus du pont là. Alors déjà, les couleurs de cette ville sont incroyables. Donc ça, c'est complètement refaisable, hein, sur Minecraft. D'ailleurs, j'ai fait un truc, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, je vous spoilerai peut-être un petit peu pour la vidéo YouTube. Mais les bâtiments sont ouf, hein. Sont oufissimes. Et c'est simple, c'est ultra flat. C'est ultra flat. Bon, là, il n'y a rien spécialement par là. Hein. On peut faire le tour ici. Le bâtiment là est énorme. Hein. Et du coup, t'as une extension, et je pense que là, on peut pas rentrer dedans. Hein. Les petites maisons plus simples ici avec les petites extensions, sympathique. J'aime beaucoup parce qu'ils font beaucoup des porches comme ça. Ils en font énormément des porches comme ça, c'est tellement sympa. Tellement sympathique. Oh! Yep. J'aime beaucoup parce qu'il y a quand même de la couleur. Hein. Il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. Bon, est-ce qu'on... Ouais, putain, rien que ça. En fait, la façon dont c'est agencé, on va repartir d'ici. Des bâtiments là. Enfin, les couleurs sont cool. J'adore les formes très arrondies là au niveau. On voit pas très bien. Les formes très arrondies en fait. Bah, rien que l'arche et dessus là. En gros, il y a la fenêtre. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc vous avez compris. Beaucoup de formes très arrondies. Mais j'aime bien les formes très droites aussi qui délimitent les paliers. Enfin, qui délimitent les étages. C'est très très sympathique. Très très sympathique. Après, le devant là avec un peu de stockage. On a un petit muret là juste là. J'ai envie d'aller de partout là, vraiment de partout. Oui, je rentre chez les gens comme ça, je sais pas de... Ils ont des trucs à voler. Yo, Anulia, coco, comment ça va?
La façon dont ça agence à l'intérieur aussi. Et j'aime bien parce que tu montes par des échelles. Alors, est-ce que tu peux monter? Tu peux monter. Tu montes par des échelles, en fait. Et le sol, c'est en bois. Planche de bois. Et t'as des petites... Non, mais ça va. En fait, c'est assez coquet, hein. Oh, c'est intéressant, ça. Super intéressant. Très, très intéressant, hein. La décoration aussi est cool, hein. Bon. J'aime beaucoup tout ce qui est stockage ici. Et les fenêtres, c'est même pas des fenêtres, ils ont même pas de fenêtres. Hein. Là, on est vraiment sur, sur quelque chose d'assez sommaire. Hein. Hop, on descend. Nickel. Oh, c'est très très joli. Hein. Du coup, tout est ouvert. Et du coup, il se chauffe comment? Petite question, il se chauffe comment? Bah là, il s'éclaire la bougie déjà. Ah ouais, t'as un poêle ici. C'est la cuisine. Je pense que c'est la cuisine qui chauffe. Hein. C'est la cuisine qui doit chauffer tout, en fait. Après, ils ont pas de... Ah, il y a encore une chambre ici. Ok. Non, mais ils ont pas de, d'endroit où chauffer, en fait. Bah, ils ont pas de... Bon, de cheminée. C'est la cuisine qui chauffe. La cuisine. Hop. Là, je remonte un petit peu. Désolé le chien. Désolé Milou. Alors. Oui. Moi ça va bof. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Anulia? Je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Donc à savoir si tu veux en parler pour YouTube aussi. Je l'ai pas précisé dans le titre. J'aurais dû le préciser. Hop. Hop, hop, hop. Les petites maisons sont très très cool. Très très cool. Et en fait, les maisons sont assez droites, mine de rien. Ça reste des maisons droites, c'est la façon dont c'est agencé qui fait que... Bon là, tu l'as pas, mais en fait, toutes les maisons sont collées, plus ou moins. Après, c'est une contrainte de level design, ça aussi. Hein. On peut pas faire des maisons avec trop de formes non plus. Tac. Mais dans tout le cas, même si c'est pas collé, tu verras que il y a des petits murets des endroits. Sur les côtés. Ah ça j'adore. J'adore le fait qu'ils aient taillé, qu'ils aient mis un escalier dans la pierre comme ça. Je trouve ça super sympa en fait. Donc ça, les paliers, c'est laissé en roche tout ça. Bonjour madame. Le petit préau là. Endroit de stockage avec le petit... ça là. Petite ombrelle à l'entrée. Hop. Nickel. Je suis malade. Et peut-être Covid. Oh zut. Mince. J'espère que ça va aller. Salut KB. Ça devrait aller. Du coup. Et la végétation est pas trop abondante, hein, mine de rien. C'est pas très très lourd. Alors en fait, quand tu rentres d'ici... Ce qui t'attire, c'est le bâtiment blanc, hein, bien sûr. C'est ce qui dénote. En plus, c'est dans un style un peu plus riche, donc... Hop. Donc t'es complètement attiré par là, hein, par ce bâtiment-là. Les murs bleus, tout ça, c'est trop trop bien. Donc là, en fait, t'as un sol en pavé. T'as un sol en pavé ici qui continue. Donc c'est la route principale. Là, tu vois que la route principale se divise par là. Bon, là, t'as un sol qui est bien plus en terre, donc... Mais globalement, tu sais par où tu dois aller, en fait. Rien que par la route, en fait. Et ça, c'est important à faire, à reprendre sur Minecraft. Le bel olivier. C'est un olivier, on est bien d'accord. Hein. Oui, ça doit être un olivier, ça. Alors là, la transition est cool, hein, quand même. Là, la transition est vraiment cool. Avec les tentures, là, qui passent comme ça. Ça, c'est très, très sympa. Hein. Toute la tenture ici. Ça délimite le chemin en plus. Donc là, ce qui attire l'œil, c'est la tour. Hein. Hop. Toujours. Alors. En plus, c'est bien parce que c'est très ouvert, mine de rien. Bon, après, c'est un port. Hein. Mais c'est très, très ouvert. Il y a beaucoup de décorations. Encore un endroit où ils peuvent remonter de la marchandise. Hein.
la même chose. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? On peut pas rentrer, hein. On peut pas rentrer, il y a des vitres. Il y a des vitres sur celle-là, hein, par contre. C'est un bâtiment plus riche quand même. Hein. Ça se trouve juste trapper froid. Ouais, ça se trouve. Ben oui, en tout cas, bon courage. Hein. Bon courage, mais bon, si tu restes bien au chaud, tu prends ce qu'il faut. Elle a pas froid aux yeux, celle-là. Hein. ouais, ben, si tu prends ce qu'il faut, ça devrait aller. Alors là, que tu vas te manger un ban. Hop, beaucoup d'étal. Alors là, oh, j'adore ce bâtiment. Ah, déjà, on a un peu de végétation sur le bâtiment. On a deux cloches. Pourquoi ils ont mis des cloches, d'ailleurs? C'est cool, hein. C'est super cool. Avec le petit balcon, là. Il est très riche, ce bâtiment. Ah, ah. Ah, mais c'est une taverne. Merci. Super joli, hein. Tu te trouves en tout ça. Bonjour. Bonjour. Oh, mais elles sont très découvertes, dis donc. Hop. Salut, belle gosse. Des petits frises, hein. Ok, donc là, on doit être dans une taverne, en fait. J'aimerais quand même aller voir l'étage. Est-ce que je peux monter? Ouais, je crois qu'il y a un escalier, ouais. Ou c'est peut-être une maison close? Vu la quantité de femmes très dénudées, j'ai peur que ce soit une maison... Non, c'est pas une maison close ici. Pas possible. Je vois des hommes torse nu et des femmes... Oh. Ah. Ok. Oh, c'est assez riche quand même. C'est assez bien décoré quand même. Des bains. Ils en ont pas tous, hein. Des petites bassines. Ah, t'as des petites assises ici. Le bon gros lit. Des rideaux aussi. Ça montre un signe de richesse. Je sais pas s'il y a des... Il doit y avoir du verre. Hein. Ça va être une vitre ici. Hein. Tac. Bon, après, l'isolation phonique, c'est pas tout à fait ça. Hein, mais... mais sinon, ça va. Hop. Non, c'est très très sympa. Hein. Ah, j'adore ça. Tu as vu sur le dessous, en fait. C'est trop bien. Ah. Alors là, tu vois que le bâtiment a pris un peu cher. Hein. Il a pris un tout petit peu cher, ce bâtiment. Je sais pas bien. Non. Hop. Désolé, hein. Il fallait que je sévisse cette fois-ci. Ok, et là t'as des rideaux qui permettent de fermer la vue pour avoir un peu plus d'intimité. Alors là t'as quand même des volets, hein. T'as pas de vitres, mais tu as des volets. Ouais, c'est pas des grandes fenêtres. Hein. Bâtiment toujours éclairé à la bougie. Ça c'est très sympathique. Oh, alors par contre le lit, moi j'aurais peur qu'il se casse, hein, quand même. Hein. J'aurais peur que les planches cassent quand même. Je serais pas très rassuré quand même. Pas bien là-dedans. Très bien. Très très bien. Oh. Mmh. Tu as des fleurs au sol. Oh. Je sais pas ce que c'est, ce bâtiment, du coup. Hein. Je pense que ça va être un... C'est peut-être une... Même pas, non. C'est pas une... Peut-être une taverne ou je sais pas. Je pensais plus maison close vu la tête des femmes à l'intérieur. Je pense une maison close. Je suis pas certain. Étirement et câlin. Merci pour l'étirement et le câlin. Hop. Hop. Okay. On va faire F5. On va sauvegarder. Si jamais je meurs comme ça. C'est très cool. Hein. Je suis encore trop trop fan de l'architecture. Je vais le répéter je sais pas combien de fois. Mais trop trop bien. Donc du coup, route principale en bas.
T'as une route piétonne ici qui permet de remonter. Tu peux remonter. Et là, tu arrives dans un... Ça, j'adore ça. Ça, j'adore. T'as deux maisons. Hop. Hop, tu peux passer là. Et là, t'as une grosse transition. Ah, la transition est cool. Hein. Pas un coin portuaire avec beaucoup de d'échoppes. Un coin bien plus paisible. Oh, c'est tellement sympa. Hein. C'est bien bien sympa en tout cas. Hein. J'aime bien. Voilà, ça j'adore. La belle porte ici avec l'encre dessus. C'est super sympa. Ok. Ok, ok. Bah attends, on va remonter quand même. Je pense qu'on va re-remonter. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ah. Des petites ruelles comme ça. Alors, petit point sol. Donc on a une route pavée ici avec des petites bordures ici sur le côté. Et là, on a un autre style de pavement sur, sur ce côté-ci. Et tu as beaucoup de terre. Hein. Zone de passage ici, paf. Et sur les côtés, ils rabattent la terre. Hop, beaucoup de petites zones de stockage. Alors j'aime beaucoup le fait que ils surélèvent, ils mettent des petits pontons. Nightbot égale Discord de boîte à meute égale... Oh, c'est mignon. C'est mignon, Anilia. C'est très gentil. Du coup, oui, là, on a une petite zone surélevée. Je pense qu'ils ont fait ça pour pas mettre toutes leurs marchandises sur la boue, en fait. Et c'est malin. Petite chariote là. Est-ce qu'on peut rentrer? Je pense pas qu'on puisse rentrer dans ces bâtiments là, non. J'aurais bien voulu voir comment sont faits ces bâtiments. Alors là, on a des bâtiments quand même qui sont pas si pauvres que ça, parce que on a des... Alors, on a des belles... des beaux rabattants de fenêtres. Battants de fenêtres, rabattants. Et on a de belles fenêtres. Donc voilà. C'est d'autant plus mieux. J'aime beaucoup, c'est un bâtiment super simple et il y a encore beaucoup d'arches. Il y a beaucoup d'arches. J'aurais été curieux de voir l'intérieur du bâtiment, mais je pense que, attends, si je fais le tour un petit peu du bâtiment, il doit pas être très grand de l'intérieur, hein. Vu le nombre d'arches, tu perds beaucoup quand même en place à l'intérieur, comme mine de rien. Je pense que c'est surtout l'étage qui est visible, bah, qui est viable. Je pense que le bas, tu dois avoir juste une échelle permettant de monter. Peut-être une cuisine en bas. Voilà, voilà. Je fais un peu le tour. J'adore le fait qu'ils aient tendu des linges. Ils tendent des linges sur les hauteurs. C'est très très cool. Hein. Très très cool. Très très cool. Voilà, c'est hyper paisible. Bon, il n'y a pas de passage. Hein. C'est une zone, je pense, juste résidentielle. Hein. Ce côté-là, il n'y a personne. Ah, il y a quelqu'un. Liste de prix. Okay. C'est super sympathique. Moi, ouais, je regarde un petit peu, hein, j'analyse, je regarde s'il y a des trucs à dire. Toujours les porches comme ça, ça. Les petits coins comme ça où t'as des petits. Je sais pas comment. Des petits talus. Des petits talus de terre avec de la végétation dedans. Un arbre entre autres. Petit muret. C'est nickel. Ça passe super bien. Pareil là au centre. Hein. T'as le même, mais t'as des fences dessus. T'as des barrières. Très très sympathique. Alors, ouais, du coup, tu peux repartir par ici. Et là, on revient sur l'axe principal. Hein. L'axe principal qui est distinguable par la route, en fait, par les trottoirs. Ok. T'as une autre zone ici qui est un peu plus riche, mine de rien. Tu le vois, hein. La distinction se voit quand même au niveau des bâtiments. Là, on est bien plus sur des pavés. Ça frise un peu. Ça va arriver. Donc, on est sur des pavés ici. Un peu moins décoré, bah un peu moins chargé.
plus ouverte. Par contre, la toiture, hein, il devrait refaire la toiture. J'adore la petite pointe là qu'il y a au-dessus. J'adore aussi le fait qu'il y ait plusieurs niveaux aussi. La petite pointe ici, je pense que c'est ça doit être une sorte de cheminée, ça. Ou je sais pas s'il y a moyen de monter dedans, mais... Des petits tours, j'adore l'idée des points culminants comme ça, c'est très très sympathique. Tu peux toujours pas rentrer dedans, non, cela non, tu peux pas. J'ai bien envie de monter sur les toits, mais je pense pas avoir... Je pense pas que ce soit faisable. Ah si, tu peux. Incroyable. Bah du coup, on va aller voir. Côté toiture, comment ça se passe. C'est là que je voulais voir. Tu peux pas rentrer dedans? Non, ça va être juste une... Ah. Ouais, ok, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, mais en fait, ça doit être... Ok, je vois les failles du jeu, tu vois, c'est marrant. Non, non, ça doit être ouvert, je pense. Hop. Bah, c'est sympa. Donc là, on a une petite cour, quand même. Hein. Ça fait une petite cour. Hein. Et là, dessous... Attends, on va redescendre, peut-être. Ah, il y a une petite fontaine, j'avais pas vu. Une petite fontaine, c'est très sympa, ça. Sur le petit muret. Sur le petit muret. Ah, c'est très, très sympathique. On va peut-être passer le temps. Je sais pas comment on passe le temps. Je sais plus. C'est quelle touche. Méditation. On va remettre le jour. On médite. Puis on revient. C'est super sympa. Les petits personnages en bas, ils fonctionnent ou... J'ai l'impression qu'ils buguent, non? Ça frise un peu les personnages en bas? Ouais, c'est un peu du mal hein, quand même, les petits personnages en bas. Ok! Très sympathique. Très très sympathique. Ok! Donc là, si on repasse ici, on repasse sous. sous des structures en bois. Ok. Ok, bah du coup, on va remonter par là. Ah là, c'est pour remonter, ok, ok. Donc là, c'est un cul-de-sac. Hein. Ce qui est entrepôt, tout ça. On a encore deux bâtiments ici. Le stockage. Ah, c'est très porté sur le... C'est très porté sur ce côté portuaire, stockage, commerce et échange. Qu'est-ce que tu as par là? J'adore la forme du bâtiment en fait. Elle est pas complètement rectangulaire. Là t'as une petite encoche sur le côté. Avec une petite courbe très très sympathique. Très très sympathique. Et là on a un port. à l'accès, j'adore l'accès par le ponton là. Très sympathique. Très sympathique. Même l'idée des petites barques là sur le... accosté, c'est très sympa. Très très sympa. Et finalement, j'ai pas trop remarqué, mais en fait, le port a été fait, a été construit sur un... Ouais, c'est que du construit, hein. C'est pas... Ok, ok. Parce que là, en fait, quand on ressort un petit peu, c'est le terrain, en fait. C'est à même le terrain. Y a pas de... Ils ont pas fait de ponton en pierre tout structuré. Non, non, non. Ah, le Battle Royale a bugué. Oh là là. Je pense que je vais couper Stream Avatar, je vais le déconnecter parce qu'il bug un peu trop. On va attendre. On va attendre qu'il se termine et puis je l'arrête parce qu'il bug. Les petits personnages ils freeze. Ça demande trop pour mon PC. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Pour avoir plus de vidéos sur la chaîne. Notamment beaucoup de Minecraft. Voilà. Donc cette vidéo est une rediff de live du coup.
Du coup, pouvez venir voir et puis passer faire un petit coucou. Ça ferait très très plaisir. Abonnez-vous, c'est un ordre. Tout à fait. Vous laisse pas le choix. Je remettrai les petits avatars après la vidéo. Bravo le biscuit mou. Tu gagnes 20 gold. Tu gagnes 20 gold. Il est poète poète. Est-ce que ouais, c'est bon, tu as reçu tes gold, je vais déconnecter tout ça. Paf. Hop. Hop. Eh oh, on se calme hein, tout de suite. Même l'environnement en fait est super sympa. L'environnement est super sympa. Là t'as une petite montée en pierre. Très très sympathique. C'est pas anodin ce genre de décor en fait. T'as bien la plage qui est assez. Bah t'as le. Oui, on va dire une plage. T'as cette partie qui est très bien délimitée quand même. Hein. Hop. J'aime bien, t'as des petites barrières avec des cordages comme ça, c'est très très sympathique. Si je vais là, je sors complètement de la ville, hein, on est bien d'accord. Ah ouais. Oh là là. J'aime bien le fait qu'il relie les bâtiments avec des terrasses en bois comme ça. Je trouve ça trop trop bien. Trop trop bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Petit accès là, sympathique. Des petites palissades comme ça en bois aussi. Ah, nickel. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? T'as beaucoup de tentures hein, qui viennent ici. Alors je sais pas, bah, c'est pour définir le quartier. Oh, oh trop bien, t'as des ocres, t'as des couleurs. Ah des couleurs! La BO est très est très bonne. La mince. La VF, pardon. La VF est très très bonne hein, sur The Witcher. Du coup, c'est là où ils font toutes les couleurs. Hein. Près d'un cours d'eau. Près d'un cours d'eau. Par contre, ça va polluer. Ça doit pas mal polluer là. Bah, polluer, je sais pas si c'est le terme, mais. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir des restes, hein, normalement. C'est super sympa. Super sympa. Hop. Ok, donc là on est un peu à l'écart de la ville, hein, mine de rien. On est à côté du port. C'est un endroit un petit peu reculé, donc sympa, ça a du sens. Et c'est là où ils teintent... Ah, d'accord, ok. En fait, ils font de la coloration pour teindre des tissus, en fait. Ils teintent que les tissus. Alors je sais pas comment ça se passe pour les enduits. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas s'ils le font là. Aucune idée. Mais sympathique cet endroit en tout cas. Alors on a le choix. On va remonter un petit peu par là. Là je dévie complètement. Hein. Je suis plus sur la route principale. Hein. En fait c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'axe principal. Si peut-être en centre-ville. En centre-ville, on doit peut-être bien voir les routes, les axes principaux. Mais là, là on est sur de la campagne. Hein, donc toutes les routes font la même taille. Il n'y a pas spécialement de... Si là, t'as une petite ruelle ici qui monte vers les vignes. Ah, mais si, on peut marcher, en fait. Avec contrôle. Non, c'est pas ça que je voulais. Avec contrôle, on peut marcher. Et là, voilà, on remonte vers les vignes. Et là, c'est... Bah, on le voit au niveau du sol, en fait. C'est juste un sentier en... Un sentier en terre, en fait. Voilà. On a juste un petit sentier. Et puis c'est très escarpé, mine de rien. Très très escarpé. Après, ils ont fait un truc très très vertical, hein, aussi. Hein. Quand c'est vertical, ça rend tellement mieux. Je pars 10 minutes. Horlocks, full bordel encore. Hein, pas possible. Hein? Comment ça? J'ai jamais joué le DLC, ça donne envie. Ouais, Astuti, il est génial. Bah rien que pour les paysages. Hein. Je trouve vachement belle l'extension, Blood and Wine. Ouais, je pense que c'est la meilleure niveau level design. Bah après, l'autre... C'est comment le nom de l'autre? J'ai oublié. Bah l'autre, ça rajoute pas spécialement de contenu, en fait. Ça rajoute pas de zone. Ah, j'adore. Là, rien que les passages dans les vignes comme ça. C'est super sympa.
Bah, tu l'as banni quelques secondes pour ce qu'il a dit? Bah oui, il fout la merde, il m'énerve. Je l'ai banni une heure. Bah, il viendra se plaindre plus tard. Hein. Mais il casse couille. À chaque fois, il me casse les pieds. Hop. Donc là, on retourne sur l'axe principal. Ouais, il fout le bordel. Ouais. J'aurais manqué de patience. Il y aurait longtemps que je l'aurais ban def. Hein. J'adore la végétation qui grimpe là sur les bâtiments. C'est très très cool, très très cool. Je sais pas, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu de végétation grimpante sur les autres bâtiments. Hein. On va y aller en marchant. On va y aller en marchant comme un touriste. Ce sera plus sympa pour le contemplatif. Oh, bah, regarde où tu vas. J'adore ces petites poutres en bois là qui maintiennent l'extension. Petite extension faite. Peut-être encore pour du stockage ça, je pense. Là aussi. J'aimerais être un garçon. Hop. Qui aurait cru que les chevaliers se défieraient pour le plaisir. Allez, on va redescendre la rue. Tu peux reculer. Je peux. Bah, je vais essayer de faire avec la molette, mais j'arrive pas. Reculer la caméra, je crois aussi. J'arrive pas à reculer la caméra. J'ai essayé de voir hier les paramètres, les touches, mais pas trouvé. Pas spécialement trouvé. Je vais préparer à manger à plus tard. Salut Ardalis. Tu pourras revoir la rediff hein, si tu veux sur YouTube, notamment. Alors là, on est sur la route. Une route. Ah oui, c'est la route principale. En fait, c'est la même route que tout à l'heure, hein, qui permet de ressortir de la ville. Donc la route principale passe par le port. Hein. Et ressort de l'autre côté, comme on t'est passé tout à l'heure. Du coup, là, on peut remonter par une route secondaire. Bisous, Ardalis, du coup, bon préparage de miam et bon miam. J'aime bien. Ah, j'adore ça. La petite route secondaire qui permet de couper ici avec un petit escalier. Donc, route principale pour les véhicules et route secondaire pour les piétons. Des bisous. Des bisous, des bisous. Ah là. J'adore les peintures comme ça sur les murs. Je trouve ça tellement classe. Alors, ouais, on va redescendre quand même. On va voir un petit peu ce côté-là. Là aussi, on a de la végétation, c'est cool. Donc là, on remarque que le sol est bien plus nettoyé. Hein. Et pas complètement impeccable. Ouais, il sera impeccable tout en haut. Il n'y aura pas de hop, il sera pas aussi mal entretenu. Mais là déjà il est mieux hein, quand même le sol. Il y a moins de bouillasse. Après ça peut s'expliquer la bouillasse sur le port hein, quand même. Ah, un peu mal aux dents. Oh, il y a un garde. Il n'y avait pas de garde en bas aussi. La garde maintient la paix dans nos pénales. Il n'y avait pas de garde en bas. C'est très fleuri ici. Hein. C'est fleuri, végétal. Bonjour, c'est bien. Merci. Oh, hey, oh. Bah non. C'est toi la gougnafier. Hein, C'est très très agréable. Ah. Petits endroits où ils font le... Ils nettoient le linge. C'est une râpe à linge. Elle râpe le linge. Super sympa. Ah, c'est un endroit où... L'affiche, en fait, j'avais jamais remarqué. C'est un endroit où ils peuvent brosser les bottes. Je sais plus comment ça s'appelle non plus. Ah. Un endroit où ils brossent les bottes. Super, super sympa. Attends, c'est quoi cette petite zone? J'aime bien parce que t'as trois arches là. Bon, dandine pas ton cul toi. Bouge. Ok, ok. Ça donne juste sur un petit balcon. Ok. La façon dont ça a agencé, je... C'est très très sympa. Très très sympa.
Toss a coin to the... To this guy. Oh bah non, Covid. J'aurais bien voulu te donner un sou, mais j'ai pas pu. J'en ai plus sur moi. Bah encore un. Donc là on sort de la ville, hein, clairement. Avec le, je vois le sol, comment il est constitué. On voit encore un peu de pavé là au début. Et ensuite ça part que sur de la terre. Que sur de la terre ici. Donne-lui un masque plutôt. J'ai pas tout ça, ah c'est dommage. Une cagoule, j'ai donné une cagoule. Hop. Ouais là on sort de la ville. Ça j'aime bien aussi. Ah bah moi aussi j'ai faim. Bon là je sais pas, c'est une ancienne maison ou quoi. Mais t'as une façade en fait, juste avec les arches, rien que des arches comme ça, qui maintiennent un pan de mur, un pan de mur comme ça, tout de roche. Ça c'est cool. Très très cool. Hop, on va remonter. Du coup là la route principale elle remonte. La route principale elle remonte. Et là en fait ça c'est la route secondaire. Donc, si je veux je pourrais remonter aussi par là, mais c'est toujours la route secondaire. Nous on va suivre la route principale. Hein. Mais c'est cool, regardez. Parce que je pense d'en bas, le point d'appel c'est cette tour là. Là le point d'appel c'est la tour là, parce qu'elle est plus haute aussi. Puis là on va commencer à voir des bâtiments relativement riches. Là on a une porte aussi, je pense que ça attire l'œil aussi. Les portes, les petits arrondis comme ça, c'est cool. Ça attire bien l'œil. En mine de rien, la route principale est propre et les côtés quand même il y a un peu de végétation. Ouais, on reste sur, sur un côté pas complètement riche là pour le moment. Mais c'est déjà plus propre. Il y a bien plus proche. Encore une tour. Hein. Ils mettent beaucoup de tours. Hein, pour insister sur les hauteurs. Alors là, t'as toujours pas de trottoir. Hein. Le trottoir se divise pas. Alors là. Donc route principale, toujours tout droit. Hein. Donc là, tu vois la forme des... la trace des roues sur le sol. Ça, c'est ultra bien. C'est super bien. Un petit détail. Oh la vache. Vous voyez là-bas les tours? Bah pas les tours, les deux rochers. Les deux rochers qui partent en pointe, c'est incroyable. Incroyable. Trop trop bien. Salut! On t'a pas vu en stream ce week-end. T'inspires pour... Ouais, en quelque sorte. Bah j'ai regardé un petit peu le port, parce que j'étais en manque d'inspiration pour Azurka pour le port. Toi aussi? Ouais, du coup, pour le port, je me suis un peu inspiré. Bah, j'ai un peu regardé là. Du coup, il y a de l'inspiration qui est possiblement à récupérer. Oh, j'adore les petits chemins comme ça en terre. Là, le petit petit entrepôt qui a un peu, c'est un peu écroulé la figure. Cool ça, hein. Très très cool. Qu'est-ce qu'il récupère ici? Vous récupérez quoi? Des petites plantations, mais de quoi? Je sais pas ce qu'ils font. Ils récupèrent des trucs dans les arbres. Petites fleurs, mais t'as des fleurs, t'as beaucoup de fleurs du même type. Ok. Ok, ok, bon là y a rien de plus à voir. Hein. Ça fait un circuit hein, quand on fait le tour. Hein. Je pense que ça doit être un... Je sais pas. Un endroit où il récupère des fleurs ou je sais pas trop quoi. Peut-être des plantes ou des... Je sais pas trop. Pas trop. Apparemment ils arrosent donc c'est qu'ils entretiennent. Ah, une petite barrière ici. Ça va me bloquer le chemin. Ok. Ok, ok. Bon, c'est qu'un détail mais... C'est un petit truc qui fait partie de la ville aussi. Je saurais ce qu'ils vendent, je saurais ce qu'ils récupèrent récolte. Ça aurait été sympa mais j'arrive pas à voir. Je vais pas comprendre. Salutations mon cher sorcier. Salut Aditi. Parce que j'ai le chapeau, c'est ça? Je l'enlève? Non, je le garde. Ta gueule! Et là, on a des bâtiments relativement riches quand même. Avec des petites bordures comme ça. Chut. Des petites bordures ici.
des petits liserés très décorés, avec des contours de portes aussi très décorés. Là, on... c'est des petites maisons, mais ils font plus riche quand même. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? On peut pas rentrer dedans. C'est dommage. Donc là, pareil, on a un bâtiment, et là, en fait, on a juste un petit muret qui permet de séparer, qui permet de faire la jonction. C'est cool. Très sympa, bah. Je suis content que ça vous plaît, en tout cas. L'analyse de level design du jeu. Mais j'en parlais depuis très très longtemps. Hein. Depuis très longtemps que j'allais explorer un petit peu, explorer tout ça. Alors là, je sais pas par où passer, tu vois. Attends, je vais redescendre un petit peu la rue. Deux choix s'offrent à nous. Mon premier choix se porterait à monter par là. En fait, t'as les petits murets qui bloquent la vue, en fait. T'as les petits murets qui bloquent la vue pour aller de ce côté-là. Du coup, on va aller tout droit. Instinctivement, c'est tout droit, ça m'appelle, plus que sur le côté. Yes. La grande porte. Ah, c'est des chouins en face. Des catans. Alors là, on a un... Ah, c'est le début de la muraille, en fait. Ok. Donc la muraille, elle suit complètement le terrain avec... Sur des pentes très abruptes. Ah, mais c'est un gars qui... Pff, je croyais que c'est un animal. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il y a là, lui? D'accord. Donc là, on a la muraille, ouais, qui suit complètement la roue. Bah, l'environnement. C'est sympa. Sympa, sympa. J'aimerais bien aller voir la muraille. Je sais pas s'il y a moyen d'y monter. Je crois que c'est un toit, en fait. Hein. C'est une muraille avec un toit assez, assez bas. Il n'y a pas vraiment d'accès sur le dessus. C'est juste pour délimiter les quartiers. Ah, oh. C'est joli, cette air. Avec cette vue. Oh là là, incroyable, cette vue. Ok. Et là, on arrive vraiment sur un côté qui est un quartier qui est bien plus riche. Bon, on le remarque, hein. Il y a plus de pierres. Hein. Bien plus de pierres, c'est plus coloré. Puis bon, c'est la porte qui définit, hein, qui définit la transition. Et là, on va passer d'un sol. On passe d'un sol en pavé comme ça, un pavé gris, à un pavé plus coloré, en briques colorées. Voilà, donc là, on est vraiment sur un quartier qui est bien, bien, bien riche. J'adore, hein. Toujours des arches, toujours, toujours, toujours des arches. C'est très très cool. T'en as fait un sur Black Desert Online aussi. Ça va être tellement habile. Ouais, bah clairement. Clairement. Et je pense que. Il y a des jeux comme ça que je reprendrai juste pour le level design et juste pour faire du contemplatif en fait. Parce que je trouve ça trop cool. Trop trop cool. Ça donne masse d'inspiration. Et en fait, j'ai un peu construit sur Minecraft ce week-end et je me suis inspiré aussi de The Witcher. J'ai commencé un truc et. Et j'ai vu que mon niveau a explosé. Hein. Je me suis complètement amélioré par rapport à ce que je faisais sur Azurka ou sur Evolucraft. Donc voilà, j'aime bien, t'as une petite place, si t'as un peu d'eau aussi. C'est très construit. C'est très droit et très construit. Comparé en bas, ce qu'on avait, des murets en pierre plus type cobble, tu vois. Qui s'empile, là on a vraiment des petits murets tout bien faits avec des petites ça, je sais pas comment ça s'appelle, des trucs qui ressortent en fait, des piliers qui ressortent. Très bien, très très bien. Et j'aime bien les petits fagnons comme ça qui passent d'arbre en arbre, ou là d'arbre en... Ah non, il est bien accroché à l'arbre. Ouais, d'arbre en arbre, c'est trop cool, trop cool. Ça rend la place un peu plus festive et joyeuse et riche. Toujours, ça fait des rappels. On va reprendre la route, puis on va remonter. Donc on vient d'en bas, donc instinctivement, alors là je sais pas si c'est mieux de passer à gauche ou à droite. Quand tu viens d'ici, par où t'es attiré? Bah t'as pas spécialement de... Ouais, instinctivement, je suivrai la courbe en fait. Je suivrai la courbe, je remonterai par là. On va remonter par ici. Oh, j'adore le fait qu'ils aient joué sur les niveaux. Là, on a des petits parterres de fleurs aussi. Ils font assez riches, des petits arbres, des petits cyprès là, relativement taillés. C'est moins sauvage, c'est bien moins sauvage. C'est bien bien moins sauvage. Ces petites places comme ça avec un petit puits au centre. J'aime bien parce que même là, les escaliers, ça suit le terrain complètement. C'est super bien, hein. Super bien.
super bien. Je peux sauter dans le puits. Je sauvegarde, on sait jamais. Ah bah non. C'est un puits. Ok, ok, la douille, je pensais pouvoir tomber dedans, mais non. C'est pas possible, ça doit juste des coups. Bah. Ah oui, y a même pas de système en fait pour récupérer l'eau. Ouais, c'est juste décoratif. Ou c'est un puits qui a été rebouché sinon. Ok. Vous avez pas de chaussures, madame hein? Vous êtes. Oula, oh là, oh là là, oh là là, oh là là, tu bugs. Tac. Ok, ok. Oh, la vue là sur le paysage. Ok, ok. Donc là, c'est une place qui. Ouais, je pense que la suite de la route, c'était de l'autre côté en fait. Cette route là, t'étais pas obligé de la prendre. Et là, du coup, c'est une place avec que des bâtiments un peu surélevés. J'aime bien la place. L'idée de la place circulaire, c'est cool. On va remonter un petit peu les petites ruelles. Toujours des petites arches comme ça où ils stockent de la marchandise. Très très sympathique. J'ai mangé à toutes. Salut, des bisous. C'est vrai que je te vois en live. Je dois faire un live qui n'est pas du build Minecraft. C'est trop bien. Ah bah, super Edity. Je suis content que ça te plaise. Tu parles surtout de la disposition des bâtiments ouais, globalement, ouais. Du style architectural aussi. Hein. Là, on est sur des bâtiments très colorés. Je sais pas, en fait. Je me posais la question de savoir c'était quel style. Salut Atomic, comment tu vas bien? La forme je saurais pas vous dire c'est quel style. Ça me fait penser à un style méditerranéen. Je veux dire renaissance méditerranéen. Mais quelle renaissance pas te dire. Je pourrais pas vous dire. Peut-être 18e siècle. Très 18e siècle, j'ai l'impression. Là, pour le coup. Bâtiment très très décoré. Hein. Là, on a des petites anciennes, des petits bâtiments un peu plus spécifiques. Hein. Donc là, on a. Ouais, c'est un. Tout flétri, une vraie calamité. Quoi, c'est un herboriste? Ah, ça doit être un. Mince, je sais pas le terme. Droit, ils vendent des. Une droguerie, peut-être. Peut-être une droguerie, là. Ah, t'as des fleurs. Petites étales. Alors, est-ce qu'ils vendent des choses ici seulement? Si je parle à la dame. Non, s'il y a une dame à l'entrée, c'est que tu peux acheter des trucs. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ouais. C'est tout ce que vous désirez être ici. Herboriste, l'endroit alchimiste, peut-être. Montrez-moi ce que vous vendez. Qu'est-ce qu'elle vend? Alchimie. Non, attends, c'est où? Herboriste. Ouais, c'est une herboriste. C'est une herboriste. Bah, dans tous les cas, il y avait une pancarte, hein, du coup. Oui, ça va. Ça va super atomique. Veil to Architecture Blood and Wine. Ouais, je sais pas. Aucune idée. Ouais, du coup, ils vendent quelques plantes. Ok, ok, ok. Bon, je sais pas s'ils peuvent en vivre, hein, mais bon. Courage à eux. Adieu. Super production occidentale. Ouais, ouais, franchement. Franchement, j'y ai joué, hein. Je pensais pas que ça allait être autant mon style de jeu. Parce que c'est un truc quand même. Il y a des scènes qui font assez. Bon, je vais pas dire peur, mais. Moi qui suis sensible à tout ce qui est. J'ai envie de refermer la porte. Voilà. Moi qui suis assez sensible à tout ce qui est. Tout ce qui est sang, spectre, tout ça, ça me. Je pensais pas que ça allait. J'allais faire abstraction de ça. Bon, il y a des endroits où j'avais un peu peur, hein. Je me sentais pas très à l'aise, mais ça va, franchement. J'arrivais quand même à y jouer et franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Bah, rien que pour les décors, hein. Franchement. Ah, y a un glitch là. Y a un petit glitch. Ok, ok. Ok, ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Après, ça reste des bâtiments assez. Là, il y a moins de couleurs ici. Je sais pas pourquoi, bah. C'est un style un peu différent. On peut rentrer dedans. On peut pas rentrer dedans. Ok, ok. Bon, là, il n'y a rien de spécial à voir. On va remonter un petit peu. On va aller voir ici.
Bah, tous ressemblent à peu près. Hein. Ah, on a des fanions. Ah, ok. Là, on arrive sur la place de tout à l'heure. Hop. Petite place, ouais. La petite place tout à l'heure. Là, on commence à voir le château, là-bas. Très sympa. J'aime beaucoup les points culminants aussi. Hein. Les points culminants qu'ils ont mis. Là, j'aime beaucoup les fanions décorés comme ça. C'est très, très sympathique. Les petites échoppes, les petits stands. C'est un petit festival ici, là, avec... la Boostify à foison. Très, très sympathique. Très, très sympathique. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient mis des tapis au sol. Voilà, petit festival. Voilà, voilà. J'ai envie de danser. Ok, ok. Par où on va? Par où on passe? Ouais, on va passer sous la tour, tiens. Oh. Bien le fait que ce soit ouvert là entre les deux bâtiments, que ce soit pas fermé à la vue. Ah ça j'adore ça. Ça j'adore clairement là. Le gros pilier là qu'on a au milieu, avec la statue en haut. C'est trop trop bien. Les apparences sont trompeuses, sorceleur. C'est trop trop bien. Ça c'est mon cheval hein, si jamais vous posez la question. Il y a quoi dessus? C'est une tête de quoi? Ah c'est une tête d'ours, ok. Je croyais qu'il y avait un truc gore dessus, non ça va. Ok. Ça j'aime énormément. Le gros pied là. Ah. Bonjour votre cul. J'adore ce pilier. Très très sympathique. Ok ok. Bon les façades hein, sont toujours aussi cool. C'est très coloré comme toujours. Hein. Là on a un bâtiment qui est un peu plus spécifique là. Ce bâtiment là. C'est la banque. La banque est cool aussi. On va aller voir vite fait. Alors, l'intérieur de la banque. On avait l'extérieur qui était noir, hein, qui était très noir. Là, je pense que le mur est doublé. Et t'as de la pierre à l'intérieur. J'adore, t'as toujours autant de voûtes. Donc, c'est très très cool. T'as beaucoup de voûtes avec les petits guichets là, comme ça. Trop bien. J'adore le sol aussi marbré, comme ça. Très décoré. Ah oui, j'étais très mal accueilli, ouais. J'avais oublié ça. Pas rentrer bien sûr. On va aller voir vite fait au sous-sol ce qui se dit. Ouais, c'est tout ce qui est coffre. En bas c'est les coffres. Du balai, et vite. Ne remets plus jamais les pieds ici. Et où, du balai? Ben non, je suis bien là. Pourquoi il y a des notes au sol? Je suis très mal accueilli hein. Oh là, c'est pas très cool. J'adore le sol en marbre comme ça. Très stylé. Très très stylé. Hop. Du balai, et vite. L'argent, et vite. Mais non. Toujours. Laissez-moi faire mon marché là. Après l'étage, pareil. Hein. C'est le même principe. J'adore en fait. Voilà. Ce genre de pilier là, de poutre. Il n'y a pas de pilier finalement. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas les termes, je suis désolé. Ben c'est très joli aussi. Oh mais il pleure. Qu'est-ce que t'as fait à tes gosses? Hey, il pleure. Et les tapis sur les murs, très décorés. Bon là on peut pas accéder. Hein. Y a quoi dedans? On voit pas grand chose. Non on voit pas grand chose. Ok. Ok, ok. Avec le grand vitrail. Vitrail. On peut pas sauter là. Ça c'est sympa. Hein. Les vitres sont très décorées. Hein. Super sympathique. Allez, on redescend. Il y a une contrainte. Allez, où c'est ? Du balai. Hop. Nickel. Bon, par où allons-nous? Bah on va remonter hein. En fait plus tu montes plus tu vas vers le château donc c'est assez compréhensible jusque là. C'est vrai que ça aurait été dommage qu'ils mettent le château en bas. Hein. Ça aurait eu moins de sens. Mais j'adore le fait qu'on passe beaucoup par des arches comme ça, des portes.
Hop, j'aime beaucoup aussi le fait que les entrées soient surélevées aussi. Bon, ça, c'est ce que j'ai l'habitude de faire aussi, mais. Là, la différence de couleur, on a du jaune en bas, du orange au-dessus et du blanc tout en haut. Ça aussi, c'est cool. Ah, c'est pas les deux mêmes bâtiments, ça aussi. Je crois que c'est les deux mêmes bâtiments. Ouais, si, c'est les deux mêmes. Voilà. Ah, c'est tellement bien. C'est quoi ce bâtiment? Ça doit être un tailleur. Vu l'exposition des tenues, ça doit être un tailleur ici. Ah oui. Ah oui, si tu peux essayer tes vêtements, c'est que c'est un tailleur. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit autre chose. Un truc sur mesure, ça. Ok. Bah là, on a quand même des commerces qui sont un peu plus luxueux, hein, mine de rien. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. On va redescendre un petit peu parce qu'il y a un endroit que j'avais visité hier et j'aimerais bien revoir pour mon inspiration personnelle. Les petits escaliers, mais c'est tellement cool! C'est bien démarqué. Ah, je suis là! Oh, les reliefs. C'est incroyable. Ah, mais t'as de l'eau ici en fait. Ah, mais c'est un pont. J'avais jamais fait gaffe ça en fait. C'est un pont. Avec un aqueduc en dessous. Mais c'est trop bien. J'avais jamais fait gaffe. Et ah oui, t'as aussi un truc qui filtre l'eau aussi. Et t'as une cascade. En fait, ouais. Ça fait une cascade qui permet de descendre en bas vers la mer en fait. Mais pourquoi t'as deux hauteurs? Attends, je suis où là? Si je regarde la carte, voyons ça. Je pense que là c'est un grand grand bassin qui est filtré et qui se déverse ici en bas. Faudrait que j'aille voir ça de plus près. Donc on ira voir ça de plus près tout à l'heure. Si ça vous va. Hop! Yes, mais vu le courant qu'il y a, je pense que tu dois avoir une cascade. Hein. Ouais, tu peux avoir qu'une cascade là. Vu la hauteur, la différence d'hauteur, je pense que ouais, t'as une cascade. Ok. J'adore les peintres comme ça, dans la rue. Bon, par contre, je sais pas ce que tu fais, hein. C'est pas ça que tu dessines là, que tu repeins. Oh. Les petits oiseaux. Les petits croix-croix. Alors, on va courir un petit peu. On va repasser par là. Ok, donc c'est là que je voulais aller voir. Ok, est-ce qu'on est au bon endroit? Sommes-nous au bon endroit? Ah, j'adore, 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 j'adore. Tellement classe. Ouais, c'était derrière. Attends, on va vite faire un petit peu explorer ici aussi. J'adore, t'as des petites places comme ça, un peu surélevées. Avec juste des ombrelles. Je sais pas comment ça s'appelle ça non plus. Mince. Des porches. Non, comment c'est? Ça porte un nom. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle ce genre de truc, s'il vous plaît? Parce que j'en ai marre de dire des bêtises depuis tout à l'heure. J'ai oublié le nom de ce truc. Si vous avez le nom, je prends complètement. Là, on a. Ouais, ça, j'adore. Hein. Le petit. Cette petite route là. Très bien. Ah, j'adore cet escalier. J'adore cet escalier. Le petit banc là aussi, très construit, très décoré. Très sympa. Bâtiment riche. Et là, au fond, on a un bâtiment qui est. On a un bâtiment qui est plus pauvre ici. Hein. Un vieux bâtiment. Bâtiment plus vieux ici. Nickel. Ok. On peut pas rentrer là. Ok. Bon.
On a encore un puits ici. Est-ce que le puits est... Ah bah là, il y a de l'eau. Ok. Ok, ok. Donc là, il y a de l'eau. Ok. Des petites places comme ça, où il n'y a pas grand-chose. Rien qu'un puits au centre, bah c'est, ça fait déjà le travail, hein, mine de rien. Faut pas grand-chose. Fort sympathique. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Encore des pontons là qui redescendent. D'accord, ici on a un autre... On a d'autres pontons qui redescendent. On a un autre petit port là de ce côté-là. C'est avec des petites embarcations. Des petites barques. Ok, ok. Voilà, c'était ça dont je voulais avoir vu. C'est fort sympathique. Voilà. C'est ce quartier-là dont je me suis inspiré pour la prochaine vidéo qui va apparaître sur ma chaîne. J'ai refait ces trois maisons, en fait. Voilà. Donc là, t'as un petit escalier avec une montée ici. Montée des maisons. Là, t'as d'autres... Ok, ok. T'as une maison qui vient derrière. Ok, ok, ok. Bon. Bah c'est bon en fait, nickel. Salut Diablo. Diablo, comment tu vas bien? Paf. Parle à mon cul. Oui, parle à ton cul, oui. Attends, on va marcher un petit peu. Ok, ok. Bon, je suis content de revoir la zone. Je suis en train de m'imprégner encore là de ce quartier-là. Donc là, on a un plus de végétation quand même. J'adore les arches comme ça. Trop bien. Ah là c'est un restaurant. Vu la disposition, ma restaurant, ouais, c'est une taverne. C'est assez prestigieux mine de rien. Les petites arches comme ça qui passent sous l'escalier, c'est tellement stylé. Alors le serveur Minecraft avance bien. Tu parles du petit monde. Bah le petit monde est ouvert, hein. Donc si des gens veulent aller construire dessus, n'hésitez pas. Ah oh, mais cette rue. T'as le bâtiment noir comme ça. Incroyable. Incroyable. J'aime beaucoup en fait le fait que t'es la statue là dans l'angle. Tellement sympathique. Tellement sympathique. C'est tellement riche. Mon dieu. Donc là on est sur un quartier qui est un peu plus ancien, moins coloré, hein, mine de rien. Je sais pas si vous remarquez la transition, même au niveau de la route en fait. On a une grosse transition au niveau de la route. On a un gros ponton ici avec des petites barques. Ouais, je l'aime beaucoup ce ponton là. Une petite statue de cheval. Ah, trop bien. Ah, des combats de rue. Trop bien. Là, on est sur des bâtiments qui sont peut-être, je dirais, moins décorés. Je vais pas dire plus pauvres, mais dans un style un poil différent quand même. Ça a quand même des... Ah ouais. J'ai peur d'y aller. Non, je vais pas y aller. Je voulais me battre, mais non. Je suis un non-violent. Non, j'adore le ponton, là. Hein. Ponton droit avec une petite descente et qui donne accès à un autre ponton. Là, t'as une petite plage aussi. T'avais un ponton, là, mais il a été détruit. Ok. Oh, c'est des petits détails, ça. Tout bête, hein. Tout bête, tout bête. Tu vois, là, t'avais... Ah, je sais pas si... Ouais, je sais pas, t'as du bois là qui a été détruit. Ok. Ok, ok. On va remonter. Tous les petits bateaux aussi. Super sympathique. Donc là, on a un sol qui est en sable. Hein. Là, ici, on est sur un sol en sable. Du moins, c'est peut-être pas que du sable, mais c'est le sable qui a été... Le sable d'en bas qui a été remonté. Oh, 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 oh. Pourquoi ils sont tous bourrés? Ok. Bon là ça donne pas trop envie d'aller de l'autre côté. Hein. Ah c'est un cimetière, ok.
Bon, on a une belle transition quand même, hein, entre le cimetière là et le petit port. Sympa. Ouais, c'était ça que je voulais voir. Ah ouais. Je viens jamais par là, c'est marrant. Je savais même pas qu'il y avait un bâtiment religieux de ce côté-là. Bah, elle est fort sympathique. Donc on a une grosse transition quand même. Hein. Là, on est sur un quartier plus pauvre. On revient un petit peu comme ce qu'on a visité au début de la vidéo. Oh là, par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... qu'on peut rentrer. Ah bah ouais. Oh, c'est triste. Pas très entretenu. Oh, t'as des offrandes, là. T'as beaucoup d'offrandes. Bah, des bougies, déjà. Ok. Bah, oh, pleure pas, hein. Tu vas pas le faire revenir, hein. Horrible. Horrible personne. Attends, je voudrais bien voir l'entrée. Bien voir l'entrée, comment c'est fait. C'est marrant, ça, hein. Crypte. Oh, par contre, lui, il est un tout petit peu bancal, quand même. Il y a des très très gros arbres. C'est pas très bien rangé, hein. On remarque que là, les tombes... elles sont un peu... un peu remontées. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. Le grège, un peu... bon. C'est pas hyper rassurant, quand même. Hein. C'est pas très très entretenu. Ah, ok, ok. Donc c'est là, l'entrée. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Très végétal quand même. T'as beaucoup de tours. Hein. Merci à toi Quentin pour le follow, merci bien, bienvenue. Non, on peut pas rentrer. Ah c'est dommage. C'est vrai que je suis jamais passé par ce bâtiment là. C'est dommage qu'on puisse pas rentrer dedans. Très dommage. Attends, je vais juste faire le tour de ce côté. C'est bien, la forme est originale quand même. Ah, trop bien. Pareil, tu peux faire des offrandes ici. Ok, c'est un petit peu surélevé en plus. Sympa. T'as beaucoup de... C'est marrant, t'as beaucoup de d'arches comme ça. Je sais même pas s'il y a une entrée en haut de la tour, là. Logiquement, oui. Ah, peut-être pas, en fait. Peut-être même pas. Encore un endroit où tu peux faire tes offrandes, bah, décidément. Ok, ouais, il y a beaucoup de tours détruites. J'aime bien la constitution de l'église. Pas trop ce que c'est, ça doit être une espèce d'église. J'aime bien avec toutes les arches, comme ça. Et le fait que le cimetière ça fasse vraiment le tour, c'est assez sympa. Ça fait pas très chaleureux, pas très accueillant, mais relativement esthétique. Alors, je pourrais pas vous dire la forme de la... Elle fait quelle forme sur la map ? Ouais, elle a une forme très hasardeuse, quand même. Très hasardeuse quand même la forme. En fait t'as une entrée là et du coup t'as trois coupoles. T'as trois coupoles et puis après t'as des... tu as des accès à des tours sur les côtés. Ok. Je sais pas, ça fait très sanctuaire. Non, non. Ouais, il est quand même assez grand. Hein. Ça fait quand même assez grand comme cimetière. Oh mince. Mince. Salut, je viens de changer. Tu viens de changer tes draps. Ah bah super. Super, c'est bien. Faut changer ses draps. Hop. Changer les miens, c'était dans la semaine. C'est plus agréable. Ouais, la forme est sympathique quand même. Non, parce que t'as une tour d'un côté et t'as pas de tour de l'autre côté. Tandis que t'as deux cloches par contre. Ok. On va sortir de là. On va sortir de là, je pense que la sortie principale c'est là, vu la taille du grillage. Puis sur les côtés, je vois pas d'entrée. Très beaucoup. Oula. Beaucoup de végétation en tout cas. Hein. Beaucoup de végétation. Ah en fait c'est sur palier, d'accord. Ok. C'est très à l'abandon, je trouve. Hein. C'est très très à l'abandon. Extrêmement à l'abandon. J'aime bien les balcons comme ça. Hein. Trop cool. Youp.
Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a visité de ce côté-là? C'est ça que je voulais visiter tout à l'heure. Oh, on était là. Ouais, c'était ce côté-là que je voulais visiter. Ok, ça rejoint. Ok, très bien. Très très bien. Ok, ok, ok. Bon là, c'est pas très... C'est pas très chaleureux, hein. On remarque que ça fait assez mal entretenu en plus. Je pense que peu de gens passent par là. Il y a peu d'intérêt pour eux à ce qu'ils, à ce qu'ils s'en occupent. Il n'y a pas de mar... C'est pas une zone de passage. C'est pas une zone riche non plus. Pas très riche. Alors. Ouais, ça fait assez délabré, mine de rien. Là, t'as beaucoup de petites végétations, des herbes comme ça qui passent sur les côtés. La place en elle-même. Ça fait pas très décoré. Même là, les petits murets en fait. Là, on revient sur des murets plus. Plus pauvres, hein. Tout en cobble. Ah, par contre, si tu remontes par là, je pense que ça fait plus riche. Là, on va remonter par ici, ça fait un peu pauvre, hein, quand même. Tu le vois, hein, tu le vois là. T'as de la boue sur les côtés, c'est pas nettoyé, pas du tout nettoyé. Tu peux remonter par là? Ah! J'ai pas visité ça. Encore un sanctuaire ici? Ok. Petit sanctuaire, j'aime bien, t'as des accès vers les bas là. Ok, ok, ah, tu peux descendre aussi. Ah, ok, accès à des cryptes. Okay. Bon, on va peut-être pas visiter tout ça, hein. Que je visite. Bon, il va sûrement y avoir des monstres. Hein. On va pas visiter. C'est des cryptes en fait. C'est des cryptes clairement. Ok. Bon, c'est bon à savoir. La forme du. La forme de cette zone là est sympathique. J'aime bien le fait que tu aies un sanctuaire dessus et que tu puisses descendre sur les côtés pour aller vers des cryptes. Non, c'est très très cool. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Ah, oh, pleure, pleure, tu pisseras moins. Est-ce qu'on passe par là? Il n'y a rien de spécial à part ici la vue. On peut redescendre ici pour voir. Ok. Ok, ok. Ne faites pas ça chez vous, je suis cascadeur professionnel. Ok, donc là t'as de la muraille. Ah ouais. Ah ouais, sympathique. Bon, ça va, c'est quand même bien délimité. Là, j'aime bien la... Là, tu vois la cloche de la tour. Donc, c'est cool. Très, très cool. Très, très cool. Ok. Donc là, du coup, on repasse par une autre entrée. Ça doit pas être l'entrée principale. Je sais pas où est l'entrée principale de la ville. Bon, ça ressemble à une belle entrée, quand même. Hein. Ah, peut-être c'est l'entrée principale. Parce que là, on était directement dans le port, en fait. Je pense que c'est l'entrée qui... Ouais, non, c'est... ça doit être l'entrée principale. Parce qu'elle passe directement de la région directement dans la ville. Non, je pense que ça doit être la porte la plus riche que tu aies dans la ville. Je pense pas que si t'es de porte. Ah si, porte du tonnelier. Peut-être qu'on ira là-bas après aussi. Porte de Métina. Après t'en as une autre ici. Ok. Bah si tu veux, on va remonter ici, on va redescendre après. Ah bah non, c'est le. Ah bah quoique. Enfin, on va vite fait faire le tour ici. J'aime bien les petits jardins juste avant l'entrée là. Et là t'as une belle transition entre les routes hein, aussi. On en reparle. Hein. Et là t'as directement vue sur le. C'est comme ça et pas autrement. Wow. Ah bah tu me fonces dedans. Oh. T'as directement une vue. T'as directement une vue sur le château. Donc ça c'est très très cool. C'est très très cool. Et c'est ton point de fuite en fait, mine de rien. C'est ton point de fuite. Accès vers des petites ruelles. Là, c'est la ruelle qui remonte vers le... Ok, ok. C'est la ruelle qui remonte vers l'église. Ok. Ouais, du coup, je comprends pourquoi il y a très peu de passages. En fait, c'est une route qui peut accueillir des véhicules, mais arrivé au bout, là, ils se font un peu baiser. Hein. Oh, pardon, excusez-moi du terme. Ils se font un peu avoir. Ils se font un peu avoir et du coup, ils font demi-tour. Parce qu'il y a des escaliers. Ils peuvent pas descendre les escaliers.
Ok. Donc là, tu redescends ici. Attends, je suis perdu là. Donc là, c'est la porte. Ah, la porte est sympa quand même, hein. La forme est très très sympathique. Et là, ça se divise en deux. La route principale, c'est la route ici, en brique. Hein. Là, t'as une brique un peu plus sale, quand même. Allez hop. Cool. Hein. Route principale par ici. Là, petite route secondaire qui remène... Ah ouais, ok, c'est la route qui mène vers l'église toujours. Ok. On repasse par des routes ici. Ah, c'est cool. Hein. J'aime bien la façon dont les routes sont définies quand même. C'est très très sympa. Hein. Très très sympathique. En fait, juste en changeant un bloc au niveau du sol, bah tu vois si tu es sur l'axe principal ou pas. Donc, il en faut pas plus. Voilà. Et là, on revient vers la zone où il y a le festival. Ok. On en revient. Du coup, on va prendre le voyage rapide. On va aller de l'autre côté. On peut y aller à pied, sinon. Mais j'ai pas de carte. Ah ouais. Non, on va redescendre ici. Un petit balcon sympathique, là. J'ai pas vu par là. Ah, cette route-là est cool aussi. Hein. Ah, c'est la route dont... Ok. On est au... Ok. On est à la place... on l'a déjà visité, cette place-là, tout à l'heure. Sympathique. Sympathique. Je voulais voir, vite fait, porte de... cette porte-là. On va remonter, on va aller à la grande place, on va se téléporter ici pour remonter. Voir un petit peu comment ça fonctionne. Mon jeu préféré. Ah, Dr. Konix. Ah, cool, moi aussi, c'est mon jeu préféré. J'ai pas passé trop d'heures dessus, je suis à 90 heures à peu près. J'ai pas passé trop d'heures, mais je me suis régalé en tout cas. Bah là, en tout cas, à revisiter la ville. Je crois que cette extension-là, j'ai pas trop joué. Hein. J'ai fini l'histoire, mais j'ai pas trop joué à cette extension. Mais ouais, revoir ça, c'est cool. On fera peut-être un tour après à Oxenfurt et à... J'ai oublié le nom de la ville. À Oxenfurt et l'autre. L'autre ville, une autre ville qui est assez cool aussi. On pourra refaire un petit tour après. Ok. Ah. Ok. Ça nous mène vers des cimetières. Vraiment ? Il y avait un cimetière là ? Ah, c'était la suite du cimetière en fait. Ok, le cimetière il continue même là en fait. J'avais pas vu. Du coup, on va remonter. On va faire demi-tour. C'est pas par là. Je savais même pas qu'il y avait des pierres tombales ici. Encore, ça fait plus décoré ici. Hein. J'ai l'impression que dans l'enceinte où il y a l'église, bah c'est bien plus pauvre qu'ici en fait. Là, ça fait relativement riche, ça fait assez décoré, bah, ça fait un peu plus entretenu, disons. Là-bas, c'est plus sauvage, il y a plus d'arbres, et même le terrain est plus blurde. Plus comme ça. Ok. Ah là, tu me diras, ouais. Ah ouais, là, c'est des marécages en même temps. Ah bah, tiens. Rip, hein. Le pauvre. Ouais, c'est des marécages. Tac. Je suis un thug. Olé. Ah oui, on est venu tout à l'heure. Ok. Donc, c'est l'endroit où il y a le petit grillage ici. Ok. Attends, on va redescendre quand même. On n'est pas fou, hein, quand même. Olé. Il y a ma cassie en fait. Oh. Regarde le monsieur, il vomit. Tu as lu tous les livres? Ah, j'ai pas lu tous les livres moi. J'ai pas du tout lu tous les livres. Je me suis pas trop intéressé au... Bah, si, bah, j'ai suivi l'histoire, du coup j'ai suivi le lore, mais je me suis pas... Je me suis pas plus imprégné que ça en fait. Coucou Sartar, comment tu vas bien? La forme? Comment ça se passe, difficile aventure, là, tout ça? Dis-moi tout. Ah, les bâtiments, hein. Trop bien. On peut rentrer dans celui-là? Ah ouais. Ok, j'ai jamais visité les intérieurs parce que j'ai jamais d'idée pour les intérieurs. J'en ai pas visité beaucoup. Mais quand même de quoi faire. Hein. Ah, pourquoi c'est tout noir là? Ah, c'est un peu buggé. Bon, vous avez un peu foiré les lumières, hein, par contre... Il y a un bug de lumière ici. Ok.
Bon bah tant pis, hein. Est-ce que je peux monter là? Je peux monter. Ah, ils ont foiré la lumière à l'intérieur. Ok, ok. Donc là, ouais, tu remontes ici et tu longes. Ouais, finalement, c'est même pas une entrée très waouh, en fait. Non, je pense que l'entrée principale de la ville se trouve la porte de Métina. J'ai pas vu le dessus aussi. J'ai pas vu la porte du tonnelier. Tonnelier, j'ai pas regardé. Donc on pourra peut-être aussi aller voir. On va peut-être y aller tout de suite, d'ailleurs. Ouais, y a rien d'autre à visiter. On va remonter un petit peu la rue, vite fait. Là, il y a quoi à voir. Après, là, on est appelé par la tour là qui est au-dessus, hein, au niveau du toit. Là, pareil, hein, toujours, on est sur une route qui est très délabrée. Ah, ok, on revient là. Ok. Bon, ça, j'ai déjà visité. Rue très délabrée, du coup, c'est pas du tout un axe principal. Hein. Bah, si, c'est un axe principal parce qu'il permet de sortir de la ville, mais c'est pas le plus populaire, en tout cas. Ça va, ça se passe vraiment bien. Bah, super, nickel. Je suis content pour toi. C'est cool. C'est cool. Ah, allez, on va directement porte du tonnelier, voir à quoi ressemble la porte là-bas. C'est cool. J'avais vu la rediff du live de Oran, live de lancement, où on te voit arriver, te présenter, tout ça. Pas très inspiré pour l'inspiration, pour la présentation, dis donc, petit Sartar. Que tu es beau, voilà, tu auras que des messages d'amour. Je dis rien. Ok, ouais, je préfère ça, Orlox. Hein. Ouais, on n'est pas sur une porte principale, hein, un accès principal. On est sur l'accès. On le voit au niveau du sol, là. J'adore l'ambiance de ce quartier. Oh ouais. Oh, ça, c'est cool, ça. Bonjour. J'adore ça. Ça, c'est cool. Le petit cours d'eau, là. J'aime bien parce qu'il filtre. Il pense bien à filtrer. C'est très, très cool. Est-ce que je peux remonter, là? Laissez-moi monter! Allez! Hop! Là, le fait que t'aies une route ici qui passe au-dessus d'une rivière, c'est trop bien, trop bien. J'ai rien, ça zigzague aussi. Hein. J'ai pas un truc à graille là? Attends, est-ce que j'ai un truc à graille? Ah bah non, mince, j'ai pris une décoction. Je vois pas mon interface du coup, je vois pas ce que je mange. Attends, j'ai fait... Est-ce que j'ai un truc à grailler? Donnez-moi à manger. J'ai pas grand-chose. Je peux manger? J'ai encore bu une potion? Bon, on va attendre. On va attendre de ne pas être autant boulé. D'accord. Je me dédouble. Ouais, pas très inspiré du coup. Ouais, ça m'a fait un peu sourire. Je me suis dit, non. T'as pas trouvé mieux. T'aurais pu te mettre en valeur. C'était le moment. Mais bon, c'est pas grave. Orlox, il va s'en prendre une encore. Ok, je vais mieux. Ok, les petites ruelles là qui redescendent. Ok, là on sort de la ville. Nickel. C'est cool. Donc là on est pareil, on est sur une ruelle. J'aime bien le sol, mine de rien. C'est un sol un peu, une terre un peu sableuse. Très sympathique, hein. Très sympathique. Oh, je suis tellement fan. Oh, il y a quoi là par là? Merde. Quoi le truc marrant? Ah mais c'est un feu, d'accord, c'est du feu. Ok, j'ai pas remarqué. Ok, là tu as des gens du voyage. Ah. Ah, d'accord, ils ont brûlé. Ok. Il y a eu quelques incendies très chers. Hein. C'est cool, hein. Ils sont installés sur des ruines. Oh là là, on voit le pont là-bas. Je suis jamais venu là, je crois.
T'es jamais venu. Petite porte ici. Oh, regardez-moi ce pont. On a de la pierre. On a un petit creux, donc avec du bois. Et on a de la pierre. Oh, mais c'est trop cool. Mais c'est trop bien. Ok, ok. Là, il peut y avoir... S'il y a un discours, voilà, ils se mettent ici. Nickel, nickel, nickel. Petite taverne, hein, je dirais. C'est super sympa, cette zone. Ah, ok. Ok, ok. C'est un endroit où il y a des tournois, des trucs comme ça. Je vois, il y a une arène là-bas. Exactement. Exactement. C'est un endroit où ils font des tournois. Ils peuvent reboucher la rue et puis tu peux y avoir des, tu peux avoir des tournois là. Je suis un cheval. Donc là on est complètement à l'extérieur de la ville. Hein. Ou des courses, ça doit être des courses ou des tournois. Ouais, je pense que là ça, ils peuvent refermer ici. Et en fait ouais, c'est là où t'as les chevaux là qui viennent avec les lances. Trop bien. Des joutes, merci des joutes. Merci Spelly. Merci beaucoup. Ouais, merci Orlox. Ouais, du coup, des joutes. Un endroit où ils font des joutes. C'est trop bien. Trop bien. J'ai même pas vu la tente là-bas. Du coup, là, on est en train de tourner une vidéo pour YouTube. Hein. Pour ceux qui se demandent, je mettrai la rediff sur YouTube. Comme ça, si je suis en manque d'inspiration ou si vous êtes en manque d'inspiration. Hop, The Witcher. Hein. Nickel. Hein. Il y a de quoi faire là. Il y a vraiment de quoi faire. Oh là là. Bon, là, du coup, il peut y avoir. Pas le roi, la reine. Hop, il peut y avoir tout le monde ici, des gradins aussi. Super, super, super. J'aime bien. Hein. J'aime énormément. Et du coup, si tu ouvres la carte par rapport à la ville. Ah, ok, c'est là. C'est lisse. Ok, ok. Ah, je me suis pas mal éloigné quand même. J'aimerais bien remonter dans la ville. Je vois que t'as des routes là qui permettent de remonter aussi. Je suis jamais venu par là. Je suis jamais venu par là. Ok, ok. Bon, du coup, on va faire demi-tour. Hein. Du coup, les joutes... ouais, ils sont là, en fait. Eh bien, c'est quand même assez bien défini. Hein. Ok, ok. Ah, et t'as ça, j'ai pas visité non plus. On va aller voir. Un truc un peu rond. J'ai pas vu du tout. Trop bien. Là, la vue que j'ai, je l'aime beaucoup. Hein. On a une vue sur... sur le château et là la cascade. Comme je disais tout à l'heure, je savais pas si c'était une cascade ou pas. Et bah finalement oui, c'est une cascade. J'aime bien la démarcation, comment ça a été défini. J'aime beaucoup ici ce coin avec beaucoup de tentes en fait. Oh là là, c'est des tentes royales en plus. Hein. Oh, regardez-moi ça, mais c'est tellement beau. Mais je comprends pourquoi il y a le feu en fait. Bon, t'as des bougies aussi hein, dans les petites tentes. Il y a eu beaucoup d'incendies. Hein. Il y a eu beaucoup d'incendies sur les tentes. Il y a pas mal de ruines. Je sais pas ce que c'était avant. Ça devait être un. Je sais pas, ça devait être un petit fort ici. Ah, il y a eu beaucoup d'incendies, mine de rien. Super sympa. Très coloré. Allez, je vous abandonne que Sartar va reprendre ses streams. Ok, ok, des bisous Galoline. Des bisous. Gros bisous à toi et puis bon live Sartar. Très bon live à toi. Oh là là. J'aime bien le fait qu'ils aient mis des petits. Alors je sais pas s'ils les ont reconstruites, je pense que oui. Ils ont refait les planchers des bâtiments. C'est super sympathique ça. Hein. Très très sympathique. Pour redéfinir les niveaux. Ah, c'est super sympa. Oh. Mais le fait, oh là là, de mettre un forgeron attenant à une bâtisse en ruine, trop malin ça. Trop trop malin. Apparemment le garde, bah, le forgeron est bien défendu. Hein. Il est pas mal bien défendu. Je pense qu'il doit approvisionner les... Je sais pas ceux qui vivent ici. C'est peut-être des gardes. Peut-être la garde qui vit ici aussi. Hein. Qui officie ici. Ouais, je pense que
Ça va être très militaire cette zone quand même. Hein. Ouais. Ouais, ça va faire partie de la. Ça va faire partie de la garde, tout ça. Ah, il frise aussi. La petite arène comme ça. Oula. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça va pas sentir très bon ça. Hein. De sentir le cadavre. Ah oui, d'accord. Ah bah non, c'est pas très joyeux ça. Pour ceux qui se demandent, j'ai les graphismes en masse, hein, au minimum plutôt. Du coup, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est bien des cadavres. Voilà, je vous le précise au cas où que vous auriez pas remarqué. Mais c'est sympa, c'est un détail qui est assez sympa dans une arène comme ça. Est-ce qu'on peut remonter là? Ah, je peux pas remonter. J'aurais bien voulu remonter, voir un petit peu les gradins. Il n'y a pas moyen. Pas remonter. Bon, après, c'est des gradins type classique. Hein. Je pense qu'on peut pas remonter. J'aurais bien voulu visiter les gradins. Ça aurait été sympathique. Ok, ok. Sympathique. Ouais, le quartier est très accueillant en tout cas. Hein. Le quartier est très accueillant. Ah non, mais je trouve de l'ambiance incroyable. T'as pas de. C'est que des routes de terre en fait. Des routes de terre qui ont été pratiquées. Ils ont pas mis de roches. Mais t'es dans des anciennes ruines en fait. Ça, je trouve ça trop bien. Le fait d'habiller des ruines, c'est trop trop bien. Ça fait pas complètement abandonné en fait. Ça fait un gros contraste entre un endroit qui aurait été réhabilité et un endroit qui a été complètement détruit. Alors pourquoi ça a été détruit, je sais pas. J'ai pas suivi de l'or pour le coup. Mais ouais, ça devait être une enceinte de la ville, peut-être. C'était peut-être une annexe à la ville. Peut-être un. C'est attenant quand même. C'est quand même attenant à la ville. Hein. Étant des quartiers, t'es dans des quartiers bien. Ça change. Ça change complètement. Je sais pas, ça a fait comme un théâtre ici. Non, c'est pas un théâtre. Non, c'est. Ok, ok, bon. C'est bon à savoir. C'est très très sympa. Très très joli. On va remettre le jour. On va se mettre 8 heures. Et recouvrir d'Alice. Recoucou, comment ça va, toujours bien? Je suis trop content de le visiter. Je suis trop content. Ça donne de l'inspiration, pas mal d'inspiration. Mais ça, c'est trop bien, ça. T'as un petit ruisseau, tu passes juste dessus, là. Incroyable. Ok, donc là, t'as encore des ruines, finalement. Okay. Tu passes par la porte, t'as encore des ruines. Mais c'est trop bien. Franchement, la porte, ici, c'est une toute petite porte. Hein. Elle ressemble pas à grand-chose. Avec les petits drapeaux. C'est magnifique. T'as un peu de végétation dessus, t'as une petite tenture là-devant. Une petite tente. C'est pas des missions, là? Pas ce que je voulais récupérer, mais... Ok, ok. T'as des missions, là, en fait. Trop bien. Trop bien. Anna Henrietta. T'as la même chose, ici? Ça fait riche, quand même. Ah, c'est bien. Ils ont mis du bois au sol, hein. C'est entremêlé de... C'est entrejonché de pierres, caillasses, un peu de verdure. Mais ils ont mis des planches pour consolider le tout. Pas tous cradossés. Très bien, très très bien. Bon, par contre, bon, l'état du tapis va pas être très très propre. Hein. Ouais, il faut que ça coupe. Ok, ok. Oh, bah c'est sympa, hein. C'est très sympa. J'aime bien le fait qu'ils aient mis des petits accès ici. Ah, ok, t'as accès à la tour en fait. Tu peux remonter sur la tour. Ça, tranquille, j'attends que ma fille finisse son bibi. Oh, les petits bibis, c'est mignon. Oh, ah, c'était pas ce que j'avais prévu. T'es pas censé mourir comme ça. Je pensais même pas faire. Oh non, c'est pas possible. Je pensais pas faire. Mince. Saute-mouton avec le muret. Non, je voulais juste monter sur le muret. Mon dieu. T'as une carte Nvidia? Oui, j'ai une carte Nvidia, Orlox. Pour du level design, je dirais bien de tester New World. Il est sorti ou pas, New World? Après, j'ai pas un PC de fou. Hein. Là, celui-là, The Witcher. Pourtant, j'ai acheté mon PC, ma carte graphique, tout ça,
au moment de la sortie du jeu, justement, ils m'ont offert la carte graphique. Bah, ils m'ont offert le jeu avec ma carte graphique. Du coup, j'étais censé pouvoir le faire tourner normal, tu vois. Et sauf que je le mets au minimum. Je le mets au minimum. Il y a peut-être des paramètres aussi à régler, mais je le tourne au minimum, ouais. Les chargements durent 3 plombes, donc ça, c'est aussi un problème. On va boire un petit peu d'eau. C'est tellement agréable, ça me fait trop plaisir. Donc je pense que je vais juste faire... on est à combien d'heures là? Ça va faire 2 heures de vidéo? Quasiment 2 heures. Deux heures de visite, rien que pour la ville. Hein. Rien que pour la ville. Ah, bah, je connais pas du tout Ansel. Mais je crois qu'il y a un mode aussi, il y a un mode cinématique pour prendre des photos sinon. Pas un truc genre pour prendre des photos. Afficher un... Je savais même pas qu'il y avait une touche là. Origine, je sais pas ce que c'est. Méditation, sauvegarde rapide. Je sais plus. Il me semblait que tu avais un mode aussi où tu pouvais prendre une caméra un peu en haut. Alors pour le New World, il sort en bêta en mai. Mais je fais des photos sur de l'alpha quand il y a eu l'alpha ouverte. Mais j'ai des photos. Ah bah je veux bien si tu as des photos, je veux bien que tu partages. Le fouet et le pilori attendent les émeutes. Alors, calme. Qu'est-ce que c'est ? Alt-Z. Alors, j'ai pas Alt-Z là. Hein. J'ai pas Alt-Z. Oh là, cette vue. Ok, bon, t'as quand même une transition en fait entre les deux parties. Mais après, j'ai pas installé. Comment ça s'appelle ? GeForce Experience là. Je l'ai pas installé. J'aime pas trop. J'ai eu des problèmes fut un temps avec mon ancien PC, du coup, depuis, je le prends plus. J'ai envie de passer par l'eau, là. Ah oh, non, on va repasser par la route principale, ce sera plus simple. Non, Alt-F3, ça fonctionne pas. Hop, 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 hop. On se calme, les filles. Hein. C'est la même porte que tout à l'heure, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Alt-F2 apparemment. Ah. Oh. Oh, 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 oh. Je vois un truc. Champ de vision 91%. Oh, oh, oh. Ah, mais c'est à 91 de base. Je vais mettre... Ah, putain, j'aurais dû... Ouais, je l'aurais su... Oui. Je l'aurais su plus tôt. C'est incroyable. Et tiers enregistrement HDR. Type de capture. Ah ok, c'est pour faire des screens. J'ai changé mon champ de vision du coup. Tu peux mettre des filtres. Ouais mais attends, c'est juste des filtres. Tu peux pas modifier la caméra. J'avais quoi capturer? Oh, je crois que j'ai fait de la merde. Bon. Du coup j'ai un screen qui est plus large normalement. Attends, Alt F2. Ah non, ça remet le champ de vision, d'accord. C'est juste pour prendre des screens, ça, en fait. Je pensais que c'est pour... Ok, ok. Tu peux juste prendre des screens avec ça. Ok, c'est pour faire des screenshots. Ok. Ok, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Alt F2. Donc, si jamais je veux prendre des screens. Ah, la route, regardez, elle se divise. Bah, là, t'as de la route en pierre. Ah... Ça doit pas être une autre très passagère celle-là, mais celle-là oui. C'est pas la même pierre d'ailleurs. Ok, on continue. Ouais, du coup c'est la même porte que tout à l'heure, hein. Je sais pas si vous avez remarqué.
On a la même porte. Porte du tonnelier, on a la même porte à porte de Métina. C'est le même, sauf que là, elle a été flip. Le cheval, t'es pas de l'autre côté, il est de l'autre côté. Voilà. Petit détail que j'ai remarqué. Aïe. Oh, c'est sympa. Oh. Ah, c'est une écurie, d'accord. C'est l'écurie, d'accord. Bon, savoir. Petite écurie. Sympathique. Oh, ça va, ils sont bien là. Hein. Ils sont bien traités. Oh, tu te calmes. Hein. Ok, Orlax, des bisous. Je t'ai envoyé ce 89. Oh, incroyable. Ah bah c'est gentil. Très très gentil. Ah, une fontaine. Une petite fontaine. Hop, on va remarcher. Sympathique, hein. Petite ruelle là comme ça. Oh, j'adore. Donc là, on reste sur du piéton, hein. Même la route est quand même assez large pour du piéton. Je regarderai du coup les 94 photos. C'est cool. On a vu tout à l'heure ici, non? Je sais plus. L'aqueduc est cool, hein. Franchement, l'aqueduc sous le pont, là, comme ça, c'est super cool. Là, ça fait vachement elfique, hein, l'architecture. L'architecture du château. Fantastique. Ouais, tu me diras, t'as des formes comme ça qui sont très... Là, ça fait gothique, mais... je sais pas, c'est très très joli. Ça fait très royal. Ultra ultra royal mine de rien. En même temps c'est des cours très très arrondis du coup c'est un hybride. C'est très très sympathique. Ah, pour ceux qui n'y ont pas joué, n'hésitez pas, hein, The Witcher, valeur sûre. Hein. J'aime bien le fait que tu arrives ici, t'es des. Déjà ça, rien que ça. Trop bien. Tu as l'eau qui coule, c'est cool. Ok, des vitraux là. Oh là là. C'est des bâtiments qui sont simples, hein. Ils sont juste agencés de façon à... Bah, ils sont pas agencés les uns contre les autres. Ça vient casser un petit peu la forme, la façon dont ils sont agencés. C'est cool, hein. Très très cool. Chemin piéton ici. Les portes sont très très sympathiques. On va y aller en marchant. Encore des peintres, hein. Il y a beaucoup de peintres ici, hein. Super sympa. On lui fait une GTA, on lui prend son cheval, non? Ah, le temps que ça doit mettre, ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Mais après, ouais, t'as beaucoup de détails, hein. Je pense que c'est le détail qui prend beaucoup de temps. Bah, tu m'iras faire les assets aussi, hein. Bah, t'as des assets qui sont réutilisables, je pense qu'il doit avoir peut-être une 20-30aine de types de maisons différentes pour le centre-ville. Peut-être moins quand même. Et qui mettent les uns à côté des autres. Après mettre de la décoration, tout ça. J'adore les places comme ça. On a un style un peu différent de la route. Du coup. Oh. Regardez-moi ça. Non, saute pas, saute pas, saute pas. Il saute. Il a sauté. Il a ressauté. Gérald, je te déteste. Je voulais juste monter sur la rambarde pour avoir une meilleure vue. Deux fois en un live, mon dieu. Deux fois en l'espace de 20 minutes, je pense, même pas 10 minutes. Oh là là. J'arrête de sauter. J'arrête de sauter. Et en plus, il est pas tombé très haut. Mais c'était la mort.
C'est pas de bol. On va charger. Ça met du temps à charger. Ah, la pouette, pouette, pouette. Les humains se méfient des non-humains. Les tensions raciales dans les villes où ils cohabitent. J'ai eu le temps de lire la suite. J'ai essayé de rejouer à Genshin Impact. Je sais pas si ça vous parle. Et je l'ai désinstallé. Voilà. Je voulais y jouer, mais ça m'a vite ennuyé. Alors pourquoi? Sûrement du fait que je dois changer de personnage. Et puis je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui m'a pas attiré. Bah, il m'attirait bien le jeu, mais j'ai l'impression que tout se ressemble. Sauf que le level design est pas assez léché. Après, j'ai peut-être pas tout vu aussi, hein. Mais je sais pas. J'arrivais pas à me repérer aussi. C'est un problème. J'adore la serre. La serre est très très sympa. On va marcher un petit peu. J'adore la serre. La serre est très très cool. Petite fontaine là au milieu. Très sympathique. T'aimes bien Genshin? Ah, bon ok, bah j'ai dit du mal de ton jeu alors. Bien les sols en pierre comme ça, pierre blanche. Très sympathique. Alors, ça doit être un... Ah non, ok. Ah, ils ont oublié de mettre la texture ici. Texture de pierre. Ah, oh, c'est sympa, ça. Là, t'en as trois. T'as trois petits balcons, comme ça, très arrondis. La petite statue, aussi. J'ai lâché 3-4 mois, et la flemme de reprendre... Ouais, bah ouais. Bah, j'ai commencé aussi... Bah le fait que tu puisses pas jouer en multi de base, t'es obligé de monter ton personnage, un peu ennuyeux. J'adore les jardins. Ah, j'adore l'escalier qui mène vers nulle part. Oh, ça c'est bien ça. J'adore l'escalier cassé comme ça. Je trouve ça joli. Oui, je vais mourir. Non, c'est bon. Ah, les petits orchestres. Trop mignon. Est-ce que je peux danser? Est-ce qu'il va danser? Gérald, tu danses? Ah ah, t'as envie de danser, hein. Au fond de toi, tu as envie de danser. Non, tu fais rien. Bon, il s'ennuie, il se fait chier. T'es pas joueur, hein, Gérald. Hein. Franchement... Tu déconnes. Petite fontaine également. J'aime bien les fontaines comme ça qui sont à ras d'un mur. Très sympathique. Là on revoit là, du coup les trois porches, bah, les trois balcons. Un petit, j'appelle ça un kiosque ou un gazebo. Gazebo c'est en anglais. Trop joli, très gravé, très sculpté. J'adore les piliers très sculptés comme ça. Avec du lierre, c'est du lierre? C'est du lierre. Le petit lierre sympa. Petites arches comme ça, c'est trop mignon. Hein. C'est d'un charme, mon dieu. C'est pas le genre à danser, non? Bah oui, je me disais bien. Il me semblait qu'il croisait les bras et qu'il tapait du pied. Je crois. Mais non. Hop, on va remonter. Bon, après, c'est des petits jardins hein, sympathiques, des petites promenades. Très décoré d'ailleurs. Hein. Bah, très paisible. Attends, on va remonter là. Je suis un Yamakasi. Oh, trop bien. Ça, c'est joli. Hop, des petites tasses comme ça, sympathiques. Avec une petite fontaine. Les petites statues, là. Ça, c'est très joli, ça. Très joli. J'adore les petites... les petites tours, là. Je trouve ça très mignon. Avec... Ah non, c'est très mignon. Très mignon. Très charmant. C'est charmant. Et là, ça sort de la ville. Oh, t'en as un autre, là. Le jardin est cool, hein.
Il est quand même assez grand, mine de rien. Encore un orchestre. T'as vu, les gens ils dansent. Pourquoi tu danses pas? Tu veux pas danser? Non, tu veux pas danser, toujours pas. Ah, je voulais les cramer. Attends. Je peux lancer du feu. Ah, ils prennent pas feu. C'est dommage. Oh, ça va, j'ai rien fait. Hein. Oh, il y a de l'eau! Est-ce que je peux passer dessous? Oui, non. Je peux pas... Non, mais arrête! Tu rigoles! Je peux pas passer dessous. Les boules. Allez. Bon, bah, nickel! Du coup, je suis pas monté tout en haut. Hein. Allez, saute. T'as encore une serre ici. Une petite serre avec quelques plantes grimpantes. Ok. Y a pas grand chose à voir ici. Un petit balai. Oh, j'aime bien. On va remonter. Ok, ok. Oh, le pont qui a été... Oh, ça, franchement, ces petits détails-là que tu vois pas au premier coup d'œil. Mais le fait que t'aies des petites zones qui sont comme ça, un peu perdues, un peu détruites, bah qui sont pas vraiment accessibles, c'est trop mignon. C'est trop mignon. T'as une histoire, tu peux raconter une histoire derrière tout ça. C'est très très sympa. Hop. Le pont, il y a un pont aussi là. Là aussi t'as un pont, ouais. Bon, c'est un peu dommage que tu puisses pas monter, mais... Mais ok, je valide. Ah, t'avais même... T'avais même un pont devant en fait, ok, ok. Ah bah ils l'ont bien défoncé le pont. Hein. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Non, la suite du pont c'était là, ok. Là, tu pouvais monter ici. Petite place, ok. Donc, bah ça a du sens du coup. Ah oh, c'est cool. Ah, par contre la statue elle est un peu tombée. Tu peux y accéder, non, tu peux pas monter, tu peux pas aller dedans. J'aurais bien voulu voir la crypte. Allez. Nickel! Oh bah c'est joli. Allez, on va remonter un petit peu. Ouais, on a fait un peu le tour là du jardin, y a pas spécialement grand chose à voir de plus. J'adore ces décorations, trop trop bien. Et là, on remonte vers le château. Alors, deux choix s'offrent à nous. On va monter par l'escalier. Très joli. T'as beaucoup de statues, hein, quand même. Beaucoup de décorations aussi. Regardez-moi ça. Donc, normalement... Attends, l'entrée principale du château, c'est par où? Là, c'est que piéton, là. C'est pas l'entrée principale. Attends, on va resuivre le... C'est que piéton, là aussi, hein. Là c'est que piéton, là c'est que piéton. On va reprendre la route principale. Paf. Route principale qui remonte... Bah non, elle remonte que par là. Hein. Hmm. Ok, et là tu arrives tout en haut. Regardez-moi cette splendeur. Tellement beau. C'est tellement beau. C'est simple, hein. Un pan de mur super simple, droit. Là, t'as un peu de végétation dessus, hein, devant. T'as des vitraux en bas, très gros vitraux. C'est super sympa, hein. C'est un peu buggé, par contre. On a une tour volante. Bon, ça, on passe, hein. On n'a pas vu qu'il y avait une erreur ici. Coquille. Oh là là, regardez-moi ça. C'est grandiose. J'adore les balcons là au-dessus. Les balcons au-dessus. Voyez l'estomac vide. C'est affreux. Et tu peux pas rentrer dedans. Hein. Par contre, c'est dommage que tu puisses pas rentrer dedans. J'aurais bien voulu visiter un petit peu l'intérieur. Mais ils ont pas fait l'intérieur. Bien dommage.
C'est beau, hein. C'est super beau. Ça fait assez... Bon, ça fait un peu vide, mais c'est beau quand même. Bah, vide. Bah, y a pas plus de décoration que ça, en fait. Et le fait que tu puisses pas rentrer dans le bâtiment, c'est un peu dommage. Ouais, moi, j'aurais mis une entrée, par exemple, là. Entrée dans le bâtiment, ou je sais pas, une entrée là. J'aurais pu le faire. Y'a pas d'entrée. Toc, toc, toc. C'est un peu dommage, ça, par contre. Mais bon. On peut pas être trop... Ah, y a du sang. On va pas être trop regardant, hein, non plus. Je pense qu'ils ont déjà fait suffisamment de beaux taf pour ça. Voilà. Et là, tu vois la vue. Tu vois les toits. Donc là, c'est la question que je me posais, en fait. La forme des toits. On a beaucoup de toits rouges, par contre. Hein. Énormément de toits rouges. Toits rouges, toits verts. Toits jaunes aussi, un petit peu. Toits rouges, toits verts, toits jaunes. Donc beaucoup de toits verts et toits jaunes. Vert et rouge, pardon. Surtout. Sympa, hein. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour, Gérald. Qu'est-ce que t'en dis? On va refaire le tour par là-bas. Les arches du balcon. Les arches. T'as remarqué un truc? Ces arches-là? Attends, on va refaire le tour un petit peu. Attends, on va refaire le tour, mais dans l'autre sens. Là, le bâtiment, là. Il est pas droit. Parce qu'il y a au-dessus, je peux pas voir la tête plus haute. Ouais, t'as une tour là. Okay. Très sympa. Très très sympathique. Hein. C'est jouissif as fuck. Trop bien, trop bien. On en prend plein les mirettes. Ah, t'as une autre entrée. Bah oui, non, c'est la même entrée, ok. Sauf que j'ai fait le tour, d'accord, ok. C'est juste un chemin de... Un chemin piéton ici. Ok. Dis-moi quand tu regarderas mes photos, je voudrais voir ton avis. Ouais, je peux voir ça après, attends. Je termine juste ça. Ouais, je pense que j'ai fait le tour là. On peut sortir de la ville par là. Non, il va mourir. Il va mourir. J'ai pas envie de mourir. Pas comme ça, Zinedine. Hop. On va prendre du recul un peu sur tout ça et puis je vais aller méditer dans les champs, dans les vignes. Même là, regardez-moi ces routes là, ces routes. Hein, rien que là, regardez-moi là, petit pont en bois là comme ça. C'est simple mais c'est beau. Ça, on aime. Bidi 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 bidi. Ah. Mais j'ai pas d'interface. Mourir. Oh là là. C'est dur de jouer sans interface. Ah. J'ai pas vu ma vie, hein. Mais, disons que je suis full vie. C'est pas du tout vrai. Attends, on va faire ça. Non. Ah. Un bouclier. Et tu le vois, la TH, normalement. Là, je vois un peu de sang sur mon TH. Alors, je veux pas leur vie, par contre. Ça, c'est problématique. Allez! Je peux le faire. Est-ce que j'ai la bonne épée, seulement? Si ça se trouve, je me bats avec la mauvaise épée. Allez! Bah, ils s'en foutent ou quoi? Ils se sont barrés! Ils se sont barrés, c'est con! On va remettre la TH. J'ai juste envie de me les friter, juste comme ça, juste pour le délire. Option. Jeu. Voilà. Ouais, j'ai plus de vie en plus. Ah bah bien. Ah mais attends, mais j'ai l'épée qui est cassée. L'épée en acier. Mais oui, je me battais pas avec la bonne épée. Ah mais j'ai plus de vie en plus. Bon bah si je meurs, hein, je meurs. Ça sera la fin de la vidéo. Ah non, c'est bon, j'ai une... Oh, ils font mal.
2-1. Ouais, c'est sûr, si je me bats avec la mauvaise épée, ça va pas le faire. Hein. Olé. Merde. Un warg. Ma vie. Attends, je vais mettre... Attendez, oh. Non. Putain, heureusement que j'ai une seconde vie encore. Ouais, j'y suis arrivé. Voilà. Faut que je répare mon arme. Voilà. Bon bah voilà. Bon, on a bien travaillé. Hein. Du foie de loup. Bah bravo. J'ai pas régène, non mais c'est juste que j'ai un talent qui permet de régénérer ma vie. Bon voilà. Voilà voilà. Bon on va s'arrêter là du coup. Hein. C'est vrai que c'est mieux sans l'interface, c'est plus joli quand même. Bon, c'est un peu dommage, je voulais vous mettre un grand champ de vision. Ah, bah c'est pas très beau. Rotation. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ok. Hop. Merci. Merci YouTube. Je vais couper la vidéo YouTube. 2h18 de vidéo YouTube. Non, je reste là, mais c'est juste que je coupe la vidéo YouTube. Merci à tous YouTube d'avoir regardé la vidéo, c'était Boîte à Meux. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch, twitch.tv/boîte à meux. Et n'hésitez pas à mettre un like, partager cette vidéo si jamais le contenu vous plaît. Peut-être pas cette vidéo parce que cette vidéo est assez longue, mais n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, vidéo Minecraft surtout. Je vous fais plein de bisous YouTube, puis je vous dis à bientôt. C'était Boîte à Meux. Ciao.